Eh bien, bienvenue pour un nouvel épisode de Rap and Dom. Salut Dom. Salut Fob. Donc, on va être en duo aujourd'hui. C'est bien. Cache ta joie. Je suis là avec toi. Attends. C'est quand même bien, on est ensemble. Voilà. Mais non, mais ça fait toujours très plaisir de t'avoir avec moi, Fob. Merci, mais toi aussi. Aujourd'hui, donc, on va parler. Alors, c'est un peu marrant parce que j'ai fait. Mon bac in the old school, en fait, ouais, a commencé plus tard que mon rappeur que je mets en vedette aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Niro est plus. J'ai vendu la mèche. Plus ancien que Jim Jones. C'est marrant. Donc, on va parler de Jim Jones, Nero, pardon, et de donc son album Taulier. On va un peu revenir sur son parcours. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que son parcours est assez fourni. Ouais. Et après, donc, on va parler de Jim Jones et de son projet avec Itmaka. Ouais. Et on va un peu parler de ceci, de son parcours, alors qui est un peu particulier, on va dire. Vas-y. Parce que, à la base, il ne devait même pas être rappeur et c'est un peu. Alors, je dirais pas sur le coup du hasard, mais voilà, on en reparlera un peu tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc Fob, comment vas-tu, toi, de ton côté ? Écoute, ça va super bien. Ça va super bien. C'est un week-end un peu hip-hop, hein. Mais c'est les meilleurs, c'est les week-ends qu'on aime bien. C'est les week-ends qu'on aime bien. Hier, on a essayé une émission. On a été invité, on a été et bien reçu. Très bien reçu, Très bien reçu par Grice TV. Donc, dans l'émission, dans leur émission, c'est ça s'appelle que... Fight Club. On a défendu Pete Rock contre DJ Premier. On va pas vous dire le résultat. Voilà, faudra aller voir sur Allez voir, c'est des gens très très bien, qui sont des passionnés de hip-hop, comme nous, comme vous, comme toi, Dom. Comme moi, oui, effectivement. Tu es passionné de hip-hop. Donc allez voir sur Grice TV. Alors demain, je crois que demain c'est 50 contre Lil Wayne, je crois qu'il va. 50 Lil Wayne. Passer demain, je crois. 50 contre Lil Wayne, voilà. Alors il y a des contenus, ils font des interviews, ils font plein de trucs. Plein de choses. Et merci à Grice de nous avoir invités. Si tu nous regardes. Et puis le magazine 33 carats, elle est. 33 carats, il faut d'ailleurs que j'aille faire un petit tour acheter le magazine. Ça a l'air. C'est même pas que ça a l'air, c'est que c'est pas mal du tout. On donne de la force à tous ceux qui aiment ce hip-hop. Il faut. Dom, est-ce que tu aimes Niro? La vraie question, c'est est-ce que tu aimes Niro? On va commencer justement par Niro. Niro, c'est. Alors, franchement, c'est un rapport dans l'ensemble que j'aime bien. Ouais. Après, quand tu vas le voir, tu sais en général où tu vas. Je sais que toi, c'est pas forcément ta tasse de thé. Tu fais chier, Dom. Tu fais chier. C'est pas ta tasse de thé, effectivement. Quand on va voir Niro, on sait dans quel général, dans quel chemin on va. C'est pas les fleurs, c'est pas le monde des bisounours. Voilà. Ah non, c'est pas ça du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Donc Niro, qui rappe en fait depuis 2003. Bam. Qui est un rappeur de Blois. Et oui, à Blois, il y a des rappeurs. Dans le centre de la France. D'accord. Okay. Il y a des rappeurs. Il a fait partie d'un premier groupe qui s'appelait Récidive. Mm-hmm. Voilà. Alors,
il rappe depuis 2003, mais en fait, son premier morceau, il va le faire, enfin, son premier vrai morceau qu'il va enregistrer, ça sera en 2009. Ouais. Sur une compile qui s'appelle Les yeux dans la banlieue, volume 2. Mmh. Et le titre va s'appeler Freestyle Province. Enfin, alors, il sera avec un gars qui s'appelle Anthology, à Demi-Portion, qui fait encore du rap aujourd'hui, hein, Demi-Portion. Ouais. Furax et Maïsa, voilà. Donc après, ça va aller assez vite, parce qu'en 2010, il va signer chez Street Lourd, qui est un label indépendant. Oui. Il va sortir son premier son, qui s'appelle Talsum. Donc déjà, en 2010, on parlait déjà du Seum. Oui. Il s'appelle Talsum. En 2010, il y avait le Seum. Voilà. Non, mais c'est en 2010, la Belgique avait déjà perdu ou quoi? Non, pourtant, non, ils ne sont pas. Non, parce que pense que c'est... Non, la Coupe donc, du le Seum n'est pas belge. Voilà, Seum... non, bah non, a priori, c'est déjà ça vient de Blois. D'accord. Ou alors peut-être d'autre part. Donc, sur la compilation Street Lourd 2. Alors là où il va avoir vraiment une belle exposition la même année, c'est qu'il va être sur Autopsy Volume 4. Ouais. Je sais pas si tu vois Autopsy, c'est ouais, les fameuses mixtapes de Booba. De Booba, là, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais, d'accord. Qui va le mettre en lumière avec un son qui s'appelle Fenwick. Mm-hmm. Et là, il va commencer donc à faire pas mal de feats avec Jeff Lenner, Sadek, Rimka, TLF, Black Kent, LECK ou Trésor de, je ne sais pas si tu te souviens, de l'escadrille. Trésor, oh putain, l'escadrille, c'est sympa. Trésor et César. Et, et donc il a fait quand même pas mal de... Il a commencé à faire pas mal de feats. En 2012, il sort chez Street Lourd son premier projet, qui est un street album qui s'appelle Paraplégique. Qui va commencer donc à faire un peu à faire son nom, un peu à se faire les dents quoi, sur ça. Et en 2013, il va signer chez AZ. AZ, qui est un label de l'Universal. D'accord. Donc, entre 2009 et 2013, ça va aller quand même assez vite. Du coup, il sort une mixtape chez AZ qui s'appelle Rééducation. Avec un son, d'ailleurs, il va reprendre Laisse pas traîner ton fils avec Mac Tyer sur ce projet. Il y a une reprise. Et ensuite, en 2014, il sort son premier album qui s'appelle Miraculé. Ouais. Alors, d'ici là, il sortira d'autres albums. Et en 2016, il va avoir son quatrième album qui s'appelle Les Autres. Ça sera son premier album certifié. Il sera certifié or en 2017. Et en 2018, il sera platine avec aussi un autre album qui s'appelle Or Game, qui sortira la même année. Mmh. En 2017, aussi, il va être très prolifique. Il va sortir OX7. Qui sera disque d'or, et un album surprise plus tard qui s'appelle Mort, je crois. C'est M8 Hero, donc je pense que ça doit être Mort. Je sais pas. Et en 2018, il sort Mens Rea. Ouais. Mens Rea, ce sera son dernier album chez AZ, parce qu'ensuite il va signer chez Sony Music. Et en 2019, il va sortir Stupéfiant, qui sera certifié or. Mmh. Et en 2020, Salmoum, c'est son dernier projet. Avant donc avant Taulier, et qui lui s'est certifié platine, qui a beaucoup fait parler, et donc on arrive au 10 septembre 2023, où il sort donc son 10e album, et qui est en fait son 12e projet si on compte le street album et la mixtape, qui s'appelle Taulier. Mmh. C'est un album de 17 titres si vous n'avez pas la version de luxe. Ouais. 19 si vous avez la version de luxe. Okay. Moi j'ai eu les 17. Sur 10 heures, il n'y en a que 17. Voilà. Ouais. Donc en fuite, il y a El Grand des Toto, il y a Tyke, il y a Niska, Sofiane Pamar, Alpha One. Et voilà, donc projet de 17 titres. Qui marche d'ailleurs pas trop mal. Phob. Oui. Alors, je sais. Dans ce cas-là, ne m'invite pas. Si tu sais, ne me pose pas de questions. Je sais déjà que Niro, ouais. Voilà, je sais ouais. Si on commence un peu à te connaître. Ah oui, c'est pas très machin. Maintenant, je suis désolé. On va quand même aller dans le détail de l'album. Oui. Est-ce que dans l'album Taulier, il y a quand même des sons pour toi qui ressortent? Est-ce qu'il y a des sons qui t'ont plu? Ouais. Et quelle est pour toi l'ambiance globale de l'album? Qu'est-ce que tu peux reprocher à cet album? Ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux aussi dire de bien et qu'est-ce que tu peux reprocher? Je veux pas. C'est une frange du rap qui m'intéresse pas spécialement, donc tu le sais, ça on passe dessus et je vais même plus m'expliquer, on va pas répéter ça tout le temps. C'est clair. Néanmoins, je m'intéresse aussi au fait qu'il y a un taf, une régularité. Niro, c'est quelqu'un, tu l'as dit, depuis une dizaine d'années.
il sort des projets chaque année, etc. Bon, voilà. J'ai pas été partout. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Oui, c'est clair. C'est pas ce qui m'intéresse, mais je reconnais le travail. Donc, première chose, il y a du boulot dans cet album. Il est là. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait m'intéresser chez Niro? C'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance parce que on est clairement une fois de plus dans le fess, pesos, machin. On est riche, on va choquer. Moins dans le côté fesses. C'est vrai voilà. qu'il est un peu. On est peut-être dans un côté zouk, si tu veux. Alors dans ce cas-là. C'est vrai que sur beaucoup de sons, j'ai été très surpris par ça. Il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle maintenant Zumba. Voilà, c'est depuis la fameuse Zumba de Premium, c'est celle-là. Donc voilà, exactement. Il y en a beaucoup. Allez, c'est pas mal. J'ai été surpris. C'est pas pour me déplaire. Par contre, moi, si je devais retenir deux morceaux que j'ai gardés, il y a le Heureusement. Le morceau Heureusement, ouais. Je sais plus quand. C'est comme ça, ça commence par Heureusement. Oui, Heureusement, oui, il s'appelle ça, d'ailleurs comme ça. Heureusement. J'ai aimé 50 euros avec Alpha One. Et puis le reste, non. Je peux pas. Le reste, millionnaire, on roule, qui sait, jamais. Enfin, c'est comme je le dis, c'est des morceaux où je comprends pas où on veut aller. Je suis désolé, je suis dépassé. Voilà, il y a effectivement des sons. Alors, du son Niro, hein, moi, j'avoue que voilà. Niro, j'aime bien quand il a le couteau entre les dents et qu'il va, qui part, qu'il est énervé sur le son. C'est sa marque de fabrique. Et ça, j'avoue, ça, j'aime bien. Parce que Et quand je vais écouter un Niro, j'avoue que je vais pour ça. Sinon, je ne vais pas écouter Niro. C'est un gars qui te met une certaine patate que dans son rap. Si tu as envie d'être un peu énervé, d'être un peu. T'as envie de pousser à la salle. Mais vous êtes pas assez énervé comme ça. Il n'y a rien qui. Il n'y a pas assez de choses qui vous énervent dans la vie comme ça. Il vous faut Niro en plus. En ce moment, il se passe des choses qui doivent vous énerver. Et il vous faut Niro en plus pour être énervé. Je comprends plus. C'est vrai. C'est moi, je. Enfin, bref, pourquoi pas. Après, on n'est pas là pour juger. Pour autant, il y a quand même quelques thèmes. Ouais. On va dire que, par exemple, Rouya. Alors, Rouya, j'aime pas trop parce qu'il est, justement, il est un peu Zumba. Mais le thème de l'amitié, de ne trahis pas, ne me laisse pas tomber, en fait, c'est un peu en substance ce qu'il veut dire à son Rouya. Mais qu'est-ce qui fait qu'on met un zouk pour dire ça? Voilà, alors Rouya. C'est ça le problème, effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? J'ai un souci avec la forme. J'ai plus un souci avec la forme sur cet album-là qu'avec le fond, parce que le fond, c'est du Niro. Voilà, clairement, c'est du Niro, on peut pas machin. Mais effectivement, avec la forme, j'ai noté qu'il y avait au moins 4-5 sons. On part dans un truc. C'est on est afro, zumba, zouk, enfin je sais pas trop le définir. Mais qui pour moi fait pas, c'est pas naturel. Enfin je sais pas, c'est ça. Alors pour moi c'est pas, je vais c'est pas décalé dire ça. Quoi. Ça fait perdre au texte de la substance pour moi. Mais moi je sais pas si parfois tu vois tu peux. Tu peux partir dans une ambiance un peu zoukée, un peu machin, lorsque, par exemple, je suis pas... Voilà, Booba est parti dans des ambiances validées où ça va très bien, tu vois, des ambiances comme ça. Le thème, il s'y prête. Voilà. Ici, on n'y est pas. Mais c'est peut-être, je me dis, c'est peut-être un gars qui veut être dans un certain contraste. Hein. Qui veut. Peut-être qu'effectivement, qu'il y a un décalage. C'est peut-être recherché. C'est peut-être recherché, effectivement. Parce que c'est vrai que ça apparaît souvent. Hein. Alors, il y a un slow. Pardonne ma phobe, mais jamais de nous, c'est un R&B. Alors, moi, je dirais c'est un mauvais rap. C'est un R&B. C'est un mauvais rap. Je le redis, je déteste lorsqu'un mauvais rap auto-tuné. On l'appelle un R&B. Non, un mauvais rap autotuné, c'est un mauvais rap. C'est un K-Sweat. Mais non, on va même si c'est pour moi pas le chanteur le meilleur K-Sweat,
faut pas déconner non plus. Faut pas déconner. Là, il y a un gars qui a sniffé je sais pas quoi et qui s'est mis l'autotune au maximum des aigus et qui se laisse aller. C'est un délire complètement fou. Cette autotune, Fob, a fait que maintenant les gens, ils se laissent aller, ils vont loin. Non mais il faut être clair. Il faut être clair. Loin. Par exemple, hier, je leur refais de la pub à Grace TV. Il y a eu cette partie où ils vont parler de Kanye West. Et moi, je vous dis qu'à un moment, on va parler de 808 and Break. Oui. C'est pareil qu'on entend là. Oui. Là, le 808, quand Kanye, il te met un autotune, il l'assume. Et il va te chercher, il arrive à te créer une ambiance, te créer des choses qui sont presque harmonieuses. Qui sont presque harmonieuses quand tu les écoutes. Ça, là. Franchement, mes oreilles ont pissé le sang quand j'entendais ça. Toi, j'ai fait, ah ouais, les gars, ils vont loin. Mes oreilles ont pissé le sang. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui a pris de faire ça? Après, c'est une mood. C'est une mood qui ne me parle pas. C'est une mood, peut-être, alors, qu'il est dedans. C'est un truc que maintenant font régulièrement les rappeurs. Hein. Les rappeurs sont dans cette mood. Ils le font maintenant. Je prends l'exemple de Maes. Mm-hmm. Maes est un spécialiste de ce genre de son. Voilà. Le truc. Les pianos autotune, soit les genres de trucs un peu slow. Mais Dom, tu me dis ça, tu me dis, c'est du R&B. C'est du mauvais rap. C'est du mauvais rap. Il y a une différence entre le R&B et le mauvais rap. Et tu sais très bien que je ne laisserai pas te dire ce genre de choses sur ça. Tu sais très bien que là-dessus, tu seras vent debout. Je vais me lever directement. Mais cet album-là, voilà. Toi, moi, il y a un truc. Qu'est-ce qui a fait que tu as été chercher Niro? En quoi Niro, il te parle, à part le fait qu'il a cette voix grave et qu'effectivement, je lui accorde, il est capable de. Parce que c'est vrai que. Alors, Salmon, je l'avais un petit peu écouté, mais je n'avais pas été trop loin dedans. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il amorçait déjà une sorte de mutation. Mais là, clairement, c'est vrai que moi, Niro, c'est vrai que c'est un artiste que j'aime bien. Mmh. Et c'est un artiste qui est bizarrement, alors, qui est apprécié, mais qui n'est pas non plus. C'est pas le gars qui va être en haut des charts, tu vois. Ouais. Mais c'est un gars qui, quand même, respecté. On sent qu'il y a un respect pour ce gars-là. Il est respecté. Et puis, je voulais alors à la vie T-Rex aussi là-dessus, parce que T-Rex, je sais qu'il aime bien Niro dans la base. Ouais, il nous dira. Et s'il arrive, il nous dira. Et justement, je voulais avoir son avis par rapport à cet album qui, pour moi aussi, m'a. Tu sais, en fait, on est un peu sur ce type d'artiste. Vous n'avez pas eu ce que vous attendiez. Non, mais attends, justement, on est un peu dans ce sorte de paradoxe quand tu es un peu cet artiste-là où tu es toujours dans le hardcore. Ouais. Quand tu arrives à un moment où, justement, parce qu'entre-temps, effectivement, il a été père. Maintenant, je pense qu'il est bien financièrement, parce qu'il a un nouveau contrat avec Sony où il est un peu en indépendant. Mm-hmm. Et puis, il a son label et tout et tout. Et justement, comment tu gères ce côté où quand justement avant tu avais la rage et que tu y allais parce que tu avais cette rage, cette envie, comment tu fais aujourd'hui pour d'un côté rester ce que tu es toi parce que c'est ta marque de fabrique, mais d'un autre côté ne te dire que attends, je suis plus en accord avec ce que j'étais avant, parce qu'avant effectivement j'étais dans le besoin et j'avais besoin de et puis j'avais envie de rentrer dedans parce que j'étais un challenger. Maintenant je suis installé. Comment ça se passe? Il y a plein de rappeurs qui ont réussi à le faire. Il y en a plein qui ont réussi à. Mais c'est compliqué. Voilà, personnellement, le seul je trouve qui a vraiment réussi cette mutation, c'est Booba. Ouais. Après les autres, c'est compliqué. Après, Booba, il a quand même un personnage singulier, c'est-à-dire c'est pas totalement un adulte. Hein. Quand tu regardes ce qu'il a, ce qu'il fait en ce moment, il est pas totalement dans un buzz d'adulte. C'est que ça reste Booba. Voilà, si tu me parlais, alors je suis désolé, j'ai pas cette culture rap français de ce jour. Mais si tu parles, moi l'exemple même,
d'un rappeur qui mute et qui évolue avec son statut, c'est Jay-Z. Jay-Z, il fait un premier album sur la rue, sur la street, sur le deal. Il continue sur le fait de monter un business. Et ses derniers albums sont des vrais albums d'adultes. En autre truc, oui. Où il parle de problématiques qu'il vit, c'est-à-dire son ascension, ses hauts, ses bas. Il parle même de sa paternité, de choses qui sont intéressantes. En France, peut-être, si je devais donner l'exemple de quelqu'un qui a muté, logiquement, alors on aime ou on aime moins, parce qu'on s'y reconnaît plus ou moins, mais par exemple, Oxmo Puccino, c'est plus du tout ce que Oxmo faisait au départ. C'est clair. Mais on lui reproche pas, parce que il vit justement une réalité qui est plus celle du 20 moins 1. Après, le problème, est-ce que c'est pas un problème de public? Parce que tu parles de Jay-Z. Mm-hmm. Jay-Z, il y a quelqu'un. Toc toc. Toc toc. Les gars. Tirex. Salut Tirex. Est-ce qu'on m'entend? Non. On t'entend très bien. Non, t'entends pas. Ok. Comment tu vas? Désolé du retard. Ouais, c'est pas grave. J'ai dû. Ça va. Vous parlez que de toi. Ah ouais? Ouais. Justement, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je sais que toi, Niro, t'es un grand fan. Mais on continue ce que tu disais, Fob. Donc tu disais, ouais, non, effectivement. Alors moi, je pense que c'est un problème, un problème de public parce que Jay-Z, en fait, son public a grandi avec lui en quelque sorte. Exactement, ouais. Et il a su aussi prendre l'écart. Et puis, pareil. Il a aussi cette hauteur d'être maintenant très riche, ouais. D'avoir ce regard peut-être tout en étant talentueux. Mmh. Il est talentueux de toute façon, ouais. Quand il arrive, il est talentueux. Mais justement, prendre ce recul et avoir un autre message. Mais par exemple, Oxmo, c'est la même. Oui, Oxmo, il a commencé avec en parlant beaucoup de rue, en parlant de beaucoup de, en parlant de, bah, de d'une réalité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent c'est plus ce que c'était, mais d'un autre côté, c'est moins vrai. Si aujourd'hui Oxmo venait nous raconter des histoires de deal du 20-1, on n'y croirait pas. Si le gars continue, on va lui reprocher de dire mais attends, t'as plus cette vie-là. Mais d'un autre côté, s'il change un peu, on va lui dire mais t'as changé. T'as changé. T'as changé. On n'aime pas quand ça change. On n'aime pas quand les gens changent. Et c'est ça le problème quand tu es un peu dans cette situation-là. Est-ce que tu dois continuer sur ce qui a fait ton succès, ou est-ce que justement tu dois montrer que j'ai changé, j'ai évolué, j'ai changé, et voilà comment je me situe aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça doit se traduire foncièrement par un changement de forme? Est-ce que ça veut dire que parce que tu as évolué, tu dois faire des Zumba? Je sais pas. C'est ça le problème. En fait, l'artiste, ça concerne. C'est ce qui est terrible avec un artiste, pour moi. C'est que l'artiste, ça le concerne personnellement d'abord, avant de concerner le public. Exactement. Donc, Niro, il va te proposer quelque chose, tu vas y adhérer, tu vas pas y adhérer. Ça, c'est ton problème à toi. Exactement. Mais lui, moi, quand je l'analyse en cohérence. C'est pour ça que jamais Booba, j'aurais pu comprendre. Salut Luciano, sois le bienvenu, Luciano. Je te disais, j'aurais pu comprendre Booba. Lorsqu'il avait 18 ans, qui me racontait des histoires de rue, va te faire niquer, toi et tes livres, etc. Aujourd'hui, il a 45 ans, 50 ans comme moi. Quand il commence à me faire des trucs d'enfant, je ne le suis plus. Mais ça concerne que moi. Il n'a peut-être pas évolué, il est peut-être comme il est. Mais attention, dans les textes, il n'est plus pareil. Dans le texte, il montre bien que je vis bien, nanana, la vie est belle. Nanana, aussi, il y a cette évolution. Après, c'est le côté où, où ça roule. Voilà, il y a une partie où moi, à 50 ans, pourquoi tu te vantes de taper un gars à Orly. Tu vois, ça n'a plus de sens. Mais pourquoi pas? Il est, c'est sa réalité, c'est sa vérité. Niro, il nous propose quelque chose, semble-t-il, c'était plus hargneux, c'est plus zumbé aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est ramolli? Je pense que c'est la question qu'il faut poser au gars en dessous. Justement, ouais, T-Rex, toi qui justement est beaucoup Niro, ça je le sais. Déjà, qu'est-ce que, globalité, qu'est-ce que t'aimes bien de Niro?
Et qu'est-ce que tu as pensé de cet album? Cet album, j'ai kiffé personnellement. T'as kiffé, d'accord. Ah, moi, j'ai bien aimé. Mais ça m'a pas... En fait, j'ai loupé le début de votre conversation, mais j'imagine faut arriver que à l'heure. Faut arriver à l'heure. Mais j'imagine que vous étiez en train de dire que Niros, avant, c'était plus hardcore. C'est ça. Et moi, que petit à petit... Bah ça. Oui, c'est clairement ça. Mais ça, c'est venu franchement petit à petit, en fait. C'est pas venu... C'est ça, je disais que déjà, dans Salmoum, ouais. On perd déjà cette mutation quand même dans Salmoum. Bah, Salmoum, déjà, depuis... Ça commence déjà à être un peu... Alors, il le fait un peu moins, malgré qu'il ait 40 sons, je crois. Il le fait un peu moins, mais il y a quand même des... Voilà, on est déjà un peu dans ça, effectivement. Bah, ça commence aussi depuis 0x7. Hein. Depuis 0x7 aussi, il y avait déjà des morceaux déjà très, très doux. Donc, non, ça ne s'est pas fait d'un coup. Mais oui, ça s'est fait. Et toutefois, il est dans la tendance actuelle, en vérité. Aussi. Parce que s'il restait comme avant à faire les trucs hardcore, il n'y aurait que moi qui écouterais, quoi. Et moi. J'aime bien quand il arrive le couteau entre les dents sur les instrus de thérapie, quand il dit ouais. Voilà, ça j'aimais bien. Ouais, ouais mais maintenant tu peux plus faire ça maintenant. Le problème c'est ça, c'est que aujourd'hui on peut pas demander de refaire la même chose alors que lui maintenant a changé, sa situation a changé. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il y a plein d'événements qui font effectivement que forcément, alors le fond reste quand même à peu près le même. Mais la forme, effectivement, c'est radouci. Même la mère, quand il rappe, avant, il rappait vraiment énervé. Là, il rappe plus posé. Il est beaucoup plus posé. C'est... On sent quand même que... J'ai l'impression que des fois, limite, il fait des slow, quoi. Ouais, je disais à Fogg que, par exemple, Jamais de nous, c'était un... Ça a slow, ce truc-là. Mais Fogg n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai aimé ce morceau. Je me suis dit, moi, j'aime bien. Mais après, ça ne m'étonne pas que vous n'y ayez pas aimé. À un moment donné, il y a un enchaînement entre jamais de... Il y a qui sait. Qui sait, déjà, ça zouk. Ouais. Qui sait, déjà, il zouk. Après, il y a un enchaînement, jamais de nous, parti de rien. Il y a un enchaînement, j'avoue. Alors, peut-être que vous auriez pas aimé, que vous aimeriez pas, mais... Parti de rien, j'aime bien. Bizarrement. Ah, bizarre ça. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'avec Tac, il n'a pas fait un son mielleux, en fait. Mais il l'avait déjà fait. Je sais qu'il l'avait déjà fait dans Salmoum. En fait, il une sorte de, entre guillemets, contre-pied, mais qui n'est plus un contre-pied, puisqu'il avait fait la même chose, où il parle de, bah ouais, de avant, on était là, et puis qu'on a évolué. Ouais. Dans un truc mielleux, qu'il aurait pu le mettre dans Jamais de nous, par exemple. Il aurait pu mettre un Mike qui fait des vocalises, ce soir. Il l'a gardé pour après. Quoi. Il l'a mis pour après. Mais celui-là encore. Ouais. Mais tu sais, je l'ai réécouté. La première fois que j'ai écouté, j'ai fait ouais, quand même, j'aimais bien le Niro. Le Niro, ouais, énervé et tout. Non, ça, et en le réécoutant, je l'ai réécouté, j'ai fait ah, il y a quand même quelques sons. Mm-hmm. Et quelques sons qui passent quand même. Ah, moi je vous dis, l'album, honnêtement. Il y a des trucs qui sont partis dans mes coups de cœur là-dedans. J'ai cliqué sur du cœur. Tirex, il y a Dom qui nous a expliqué tout à l'heure que Niro, pour lui, c'était l'un des rappeurs français qui arrivait avec sa voix, avec son énervement, à lui mettre une certaine pêche, une certaine rage dans le hip-hop. Toi, moi, j'écoutais cet album. J'ai senti qu'il avait une voix, mais je suis pas totalement d'accord sur le fait de la rage, etc. Mais bon, c'est que mon avis. Toi, ouais. Ce rappeur-là, pour toi, est-ce qu'il représente cette rage, cette... Moi, en fait, ce qu'il y a, Niro, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une voix dure sur des sons mielleux. Tu sais, en fait, c'est vraiment le mix entre les deux. C'est qu'il a une voix dure et il arrive à transmettre une émotion un peu de rage dans des sons mielleux. Vraiment hardcore, je trouve pas que ce soit si différent que ça des autres, en fait. Où je l'aime bien, ouais. C'est étonnant parce que Dom, tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que ces petites Zumba, dont Dom parlait, est-ce que c'est pas... on se pose la question, est-ce que c'est pas voulu
Est-ce que c'était pas vraiment voulu? Est-ce que c'était plus une tendance qui suivait? Ou alors... Ah, je pense que c'est une tendance quand même. Hein, mais... c'est plus une tendance pour toi, toi qui l'as suivi depuis longtemps? Je pense que c'est une tendance quand même. Hein, donc, le truc qui est amusant, c'est qu'il y a quand même c'est beaucoup de contre-pieds, en fait. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il l'aurait fait si c'était pas... Parce qu'à l'époque, il n'aurait jamais fait ça. C'est des sons quand même qui sont Zumba, mais avec un thème assez, en général... assez agressif au final. Bah oui. C'est agressif quand même. Ah ouais, mais c'est pour ça. Un peu déstabilisant par moment. C'est le mix. C'est ça qui est un peu déstabilisant. Il est dur, mais sur des sons mielleux. Donc ouais. c'est là où je l'aime bien. D'accord. C'est là où je l'aime bien. Mais je pense qu'il le fait pas. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il n'était pas OK avec tout ce qui était autotune, tout ça, quoi. Il est venu plus tard, hein, parce qu'il y est obligé, je crois. Mais au début, il était pas OK avec ça. Quand il était avec Thérapie, à un moment, il n'arrêtait pas. Et ça, j'avoue, moi, j'avoue que j'aimais bien Thérapie. Thérapie, quand il fait un son, t'es obligé d'être énervé. Ouais. Parce que le fait que t'es énervé. Ouais, j'aimais bien cette combinaison, en fait. J'aimais bien cette combinaison. Et là, effectivement, je le retrouve moins. Parce que, il y a beaucoup de trucs plus doux. Ah ouais, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux. Et ça m'a déstabilisé. La première écoute, ça m'a déstabilisé. En réécoutant, alors, je suis moins quand même sur les sons un peu Zumba, mais il y a quelques sons que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est quand même plus doux au niveau de la forme, pas du fond, de la forme. T-Rex, c'est un rappeur qui a... Ma question, c'est, est-ce que c'est un rappeur qui a évolué, qui a muté pour toi? Toi qui as l'air d'avoir suivi... Dans quel sens? Dans la forme? Là, on arrive... Je regardais tout à l'heure, Dom, il faisait l'inventaire. On avait peut-être une dizaine d'albums en 10 piges. L'évolution, est-ce qu'elle est claire, nette? Est-ce qu'il y a une vraie évolution des thèmes, du personnage de Niro qui s'est affirmé, des choses? Ou alors on est resté dans les mêmes thèmes avec une forme qui a totalement changé? Moi, je dis la forme a changé. La forme a changé. Dans le flow. Parce qu'au début, c'est comme dit Dom, au début, t'es parti de Thérapie, des trucs assez durs, assez hip-hop, tu vois, assez hardcore, quoi. Enfin, même avant, d'autres choses. Avant, plus hip-hop. Je te dis, ce gars-là, avant, il me semble que j'ai vu des interviews de lui où il adhérait pas à tout ce qui était autotune et tout ça. Je me souviens. Faudrait que je m'assure de ça. Mmh. Et puis petit à petit, ça a adouci. Maintenant, par rapport à ce qu'il fait maintenant, c'est autotuné à fond. Mmh. Enfin, moi, j'entends de l'autotune dans ces trucs. Il y a du chant, il y a des trucs. Donc, sur la forme, ça a évolué, quoi. Ça a suivi le cours du temps. Après, sur le fond, j'ai l'impression que c'est moins racailleux qu'avant, quand même. Mmh. Il parle beaucoup plus d'amour, je trouve. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup plus de love dans ses textes. C'est moins racailleux quand même si des fois je l'entends dire des gros mots et tout. C'est souvent dans ces morceaux, il y a encore pas mal de gros mots. Certains appellent les gros mots les punchlines. Certains appellent les gros mots les punchlines. À sa place, à son âge, parce qu'il doit pas avoir, il doit pas être beaucoup plus jeune que nous. Oui, c'est clair. J'aurais gommé ça maintenant. Donc, je ne sais pas pourquoi il les dit toujours, mais bon, j'imagine que c'est pour garder un peu de... De fanbase. Ouais, pour garder un peu d'hardcore dans son... Ouais, groupe, pour dire que je suis encore dur. Et pour répondre à ta question, Fob, sur la forme, ça a changé. Sur le fond, ça a forcément évolué, mais c'est toujours pareil, je pense. Il y a le Okocha. Le Okocha, on est limite dans du... Ah ouais, je suis comme le dis Okocha. J'ai compris ce son. Bien, il va falloir que je réécoute parce que je vois pas le rapport. Si à un moment il dit qu'il est comme Okocha dans Il passe une seconde. De toute façon, ça c'est un truc dont on ne parlera plus. Les noms des sons du rap français, moi ça commence à me... Je suis perdu. Je suis perdu. Bon, il y avoir un rapport avec JJ, mais ou c'était peut-être juste pour la rime. À un moment, il en parle. J'avais pas compris. Mais après, moi, j'ai aimé, c'est Rouillard. Rouillard, j'ai bien aimé. Rouillard, je l'ai aimé.
J'ai bien aimé Rouya. Justement, Rouya, j'aime bien le thème en lui-même parce que ça a un rapport avec l'amitié et tout ça. Mmh. Ah, j'ai bien aimé ce truc. Moi, elle me gêne. Ça a que zou le truc. Ah, ça a que c'est on est en 2020, Tom. Et d'ailleurs, il y a eu une galette. Au passage, il y a une galette. Le thème en lui-même, il est bien. Au passage, il y a une galette. Je suis désolé. Il y a une galette. Elle est hors jeu. Elle est clairement. Moi, je l'ai écoutée. Tu nous as envoyé la dernière galette de Dom. Tu me parles de Zouk ou je ne sais pas quoi. Mais il y a une galette qui a été présentée dans le truc qui est clairement hors jeu. Laquelle galette de cette semaine ou la semaine dernière? De la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Il y a une galette. J'en ai parlé à Dom. C'était un hors jeu. Les dirais? Ah oui. Ouais. Ah, c'est quand même. C'était hors jeu. Il rappe dessus, les gars. J'ai voté dedans. Laissez passer des chansonnettes ou à l'autotune. Il y a un gars qui rappe dans le son. Vous me dites que c'est pas du rap. Alors, au passage, vous avez Sunkist qui nous fait remarquer, bonjour Sunkist, que c'est parce qu'il a pu tenir la distance, parce qu'il a su se diversifier. Peut-être, oui, effectivement. Ah oui, sûrement. Mais après, est-ce qu'il vend? Je ne sais pas. Hein, Niro, je ne sais pas. Maintenant, il vend. C'est un artiste. C'est un artiste qui a mis du temps avant de vendre. Ouais. Qui a mis beaucoup de temps, mais qui maintenant vend hein, ses albums, maintenant font entre or et platine. Voilà, d'accord. Et même, je crois que même celui-là, il marche pas mal. Alors, je ne sais pas s'il est encore certifié, mais mm-hmm. il a fait des scores. Ça ne m'étonne pas. Il y a les morceaux pour. Hein. Franchement, il y a les morceaux pour. Hein. C'est vraiment ambiance Tiakolat, des trucs comme ça. Oui. Il fera minimum disque d'or. Parce que maintenant, il est affirmé maintenant quand même. Ah oui, mais c'est un ancien, Niro, c'est un ancien. Non, mais c'est ça, le gars il rappe depuis très longtemps. Et maintenant, il commence justement à avoir des certifications, parce qu'il a mis du temps quand même. C'est quelqu'un qui a mis du temps dans ses projets avant de bien marcher. Maintenant, oui, il fait ses scores. Alors, c'est pas non plus, c'est pas Damso, c'est pas. Voilà, mais il fait quand même ses scores tranquille, sachant que je pense qu'il en a des. Alors, j'ai un doute là-dessus. Mais je sais qu'avec Ambition Musique, il est en partenariat avec Sony, mais je crois que donc il doit quand même. Il est en AD depuis le début, lui. Hein. Mais il est en AD, mais je crois qu'il a quand même des signatures. Il, à un moment, il était chez. Attends, ouais, je vois qu'à un moment donné, il est chez AZ. Il est chez Universal. Est-ce que c'est pas édition, ça? Voilà, peut-être en édition ou en distrib, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il est qu'en édition. Je sais qu'il a son label qui s'appelle Ambition Musique, c'est son label. Et bon, je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Et c'est ce qu'il a l'air de sembler expliquer sur le projet, c'est qu'il a l'air bien. Qu'il vit bien et tout et tout quoi. Donc voilà. Alors moi en réécoutant effectivement il y a des sons qui sont pas mal. 50 euros avec Alpha One, moi j'ai bien aimé celui-là. J'ai mis du cœur dans celui-là. Il me fait rire, c'est le refrain. Un litron c'est pas assez. Deux litrons c'est pas assez. Oh, c'est pas assez. le à qui la faute avec Niska, j'ai bien aimé. Celui-là, je m'attendais à mieux, justement. À la combinaison des deux, je m'attendais à mieux. Le taulier, j'ai bien aimé. Pas mal. Hein. C'est Fob. J'ai l'impression que Fob, lui, il n'a pas trop kiffé. Non, Fob, non. en fait, le problème, c'est qu'en prenant cet artiste, je sais que je vais mettre Fob à dos quasiment. À 95%. Il a aimé. Julien, il a trouvé ça génial. Alors, mais j'ai du mal. Est-ce qu'il a vraiment aimé ou est-ce que c'est du ironique? Les gars, c'est pas sa cam, ça, c'est pas possible. S'il dit qu'il a aimé, je comprends plus rien. C'est vrai que c'est pas trop dans son truc, mais bon. Ah non, c'est pas sa cam, ça. Donc voilà. Donc, dans l'ensemble, finalement, c'est un projet quand même correct, bien produit. C'est quand même bien produit. Moi, j'aurais quand même ce petit côté. Ah ouais, ça chantonne un peu trop, mais c'est effectivement, comme tu dis, T-Rex, on est en 2023. En 2023, les gars. Avec. Ça reste quand même assez cohérent. Avec. J'aime bien Papa fait le titre. Le pitre, pardon. Papa fait le pitre, j'aime bien aussi. Il y a des sons comme ça qui sont pas mal. Oh, Millionnaire aussi, pas mal, non? L'album en général, pour moi, j'ai trouvé bon. Il y a quand même quelques petits sons. Après, c'est un mec, c'est un ancien, il a de l'expérience, il sait faire un album. C'est exactement ça, c'est ça. Il sait construire un album et voilà. Donc, Fob, justement. C'est un moment. Si tu devais noter. Ah, ben oui, c'est l'heure de la note. C'est l'heure de la note. L'heure de la note. Donc, on est sur 10, on est sur 20. On sur 10. A...
Sur 10. Bon, ça va, si tu veux, après. Peu ouais, ça, c'est des albums pour moi 4 sur 10. Ça n'a pas la moyenne, ça. Ah ouais, ça 4 sur 10. Ah bah non. Ça y est, étouffé, là. C'est la moyenne, ça. 4 sur 10. Il y a un morceau atroce, auto-tuné, mal chanté, mauvais lyrics. Ouais, qui, je trouve que c'est un slow. Qui, voilà, qui, c'est ça. Atroce. C'est Dignes atroce. Il m'a fait péter mes oreilles. C'est lequel? C'est le. Ah oui, c'est un truc de fou, ça. C'est ah, mes deux. J'ai rarement entendu un truc aussi moche. Et certains disent que c'est du R&B, je dis c'est du mauvais rap. Il faut dire les choses, c'est pas du R&B, c'est du mauvais rap. Mais ça, je me battrai. Non, pas du mauvais rap, puisque le gars il chantonne. C'est du très très mauvais rap. Si il chantonne sur du hip hop, c'est du R&B. Comme je dis, chantonner n'est pas chanter. Voilà, chantonner n'est pas chanter. Ensuite, il y a cette tendance à la zoukrie. Il y a cette tendance à la zoukri que je trouve une facilité qui en plus n'est pas pertinente dans le son. Pour moi, je trouve que c'est pas pertinent. Il y a des thèmes qui sont sur 17 morceaux, j'en retiens deux. Heureusement pour la figure de style. Bon, allez, j'aime bien les rap avec figure de style. Et encore. Ouais. J'ai pas senti énormément de punchline dedans. Le morceau avec Alpha One, mais Alpha One, je pense que je suis déjà conquis et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces 50 euros guinéens, 500 000 francs guinéens. Voilà, 500 000 francs guinéens. J'ai bien aimé ce trait-là, mais le reste, je suis désolé, la voix, c'est bien d'avoir une voix particulière, c'est vraiment dommage de ne pas savoir l'utiliser et de ne pas, être drafté comme il faut, donc je reconnais qu'il y a du travail, mais ça ne peut pas valoir la moyenne, pour moi, cet album, c'est 4, voilà. D'accord, bon, ok. Kirex ? Je suis en total désaccord avec Pomme. C'est ce qu'il faut. Total désaccord avec Pomme. Mm-hmm. Il est largement au-dessus de la moyenne pour moi. Je vais lui mettre un 7,5. Moi, je vous dis, quand une première écoute me fait ça, c'est que moi, j'ai bien aimé. Bien aimé. Mm-hmm. Ah, moi, j'ai bien aimé. Non, c'est du Niro. Pour moi, c'est du Niro. C'est le Niro. Ça ne m'a pas choqué. Voilà. Ça ne m'a pas choqué parce que petit à petit, il nous a emmenés vers ça. Donc, c'est du Niro. Moi, j'ai bien aimé pas mal de morceaux. Il y a pas mal de morceaux que j'ai bien aimé là-dedans. Donc, je lui mets un 7,5. Hein. Je ne sais pas quoi rajouter de plus que. Bon, on est en 2023 maintenant. Il faut adhérer à ce genre de morceaux. Le rap français, c'est ça. Mais le rap français, c'est ça maintenant. C'est insupportable. Les Anglais, ils ont leur drill. Ouais. Et ben nous, on a notre. Mais c'est insupportable de devoir absolument adhérer à un truc parce que c'est la tendance. Moi, je dis non. C'est pas cet argument de dire on est en 2023. Tu n'aimes pas Pomme. Mais la musique évolue. Pour un fan actuel de rap, je pense que ça ne le choquera pas. Le quoi, pour un fan actuel qui aime ce type de musique, ça ne le choquera pas. C'est quelque chose qui va. J'entends, mais moi, il y a cet argument qui consiste à dire parce que tu es vieux, parce que tu n'adhères pas et qu'on est en 2023. Ton avis, c'est de la merde. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'en 2025, on se retrouvera avec un autre style de rap. Et heureusement. Ton avis, c'est pas de la merde. T'as le droit de ne pas aimer. On est en 2023. Mais c'est vrai que, comme dit T-Rex, effectivement, si tu veux, le type d'album, alors, grand public, on va dire. Voilà, grand public. C'est ça. C'est un peu le type d'album qu'on a pour les trucs grand public. Exactement. Le rap qu'on avait à l'ancienne, parce que je me souviens que l'album mal mixé des X-Men, t'avais mis un 7. Non. Et là, tu mets un 4. Ah non. Dom, tu as les cassettes. Tu as les enregistrements, Dom.
Je tu crois vois, que tu as les enregistrements d'hommes. Feignant qui n'était pas choqué, justement. Non, c'est moi qui avais donné une très mauvaise note à ça. J'avais donné une Ah oui, j'avais donné une très mauvaise note. J'aimerais. Ah là, T-Rex, tu ne fais pas tes devoirs. Là, tu arrives. D'où Bordeaux, il me semblait que j'avais été d'ailleurs choqué. Ah, moi, j'avais dit que c'était mal mixé. Plutôt que l'album qu'on avait vu juste avant. J'avais dit que c'était. J'avais donné une très mauvaise note. C'est pas votre Premium qui avait mis une bonne note, justement. Ah, voilà. Je sais plus. Moi, je sais plus. Donc je dois me tromper. Il ne faut pas m'accorder des paroles. Je reste cohérent, monsieur Pirex. Mais je vais aller de ce pas réécouter ce truc-là. Après, c'était du tout. Je sais ce que je dis. Et je m'excuserai, je m'excuserai vraiment, je me suis mais j'attends, c'est pas grave, mais avant, comme je dis, avant de dire quelque chose, vérifiez. Vérifiez. Non, mais là, on est en live. Vérifiez. Il faut préparer. Il faut préparer. Alors, en ce qui concerne, à la première écoute, j'aurais mis 5. Mais avec la deuxième écoute, je mettrais un 6,5. Ouais. Un 6,5. Ah ben oui, c'est parce qu'il y a des trucs quand même qui passent. Et puis, alors même si effectivement, moi je trouve que même la manière dont il rappe, ça s'est calmé, il est moins énervé, il est moins... Il a une manière de rapper un peu énervé même. Il s'est posé, ça m'avait un peu déstabilisé au début. Mm-hmm. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté Niro. Ça fait longtemps que tu n'as pas écouté de Niro, alors. Moi, je crois que je suis encore sur le Niro-thérapie, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez... J'apprécie des trucs, quoi. Et puis, au final, non, c'est quand même assez bien produit dans l'ensemble. Après, oui, il y a des trucs, moi, des trucs slow, un peu. Alors, les trucs un peu zoombesques, effectivement, j'ai un peu plus de mal. voilà, parce que par exemple, Rouya, moi, j'aimais bien l'idée. Mais le son, ouais, le son m'a gêné, quoi. Voilà. Ben voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant Niro ? Pas spécial. C'est quand même un artiste qui dure bien. Et il faut lui reconnaître. Il faut lui reconnaître. Parce que c'est pas forcément évident de tenir comme ça. Il faut lui reconnaître ça. Voilà. Ça me donne. Et si Dom, on repassait dans. Retour old school. Retour old school un petit peu. Allez, vas-y. C'est parti. Même si c'est pas vrai. Back to the old school. Voilà, donc on va passer à Monsieur Jim Jones. Jim Jones. Alors, c'est une histoire un peu bizarre, Jim Jones, en fait. Donc, c'est plus lui. À ne pas confondre, c'est bien lui. À ne pas confondre avec le Jim Jones, Temple du Peuple. Suicide collectif en 1978. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'était un prêtre, un genre de gourou qui avait une église qui s'appelait le Temple du Peuple. Oh merde. Et qui en 78, je crois qu'ils ont ingéré du cyanure, je crois. Et il y a eu un suicide collectif, 914 personnes qui sont décédées. Je crois que c'est dans la Guyana, Voilà. Et le Jim Jones, voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours un peu fait bizarre qu'il s'appelle Jim Jones, mais en fait, le gars. Ah, d'accord. Mais Jim Jones, en fait, il s'appelle, parce que c'est pareil, Jim Jones, je crois que c'est James Jones. En fait, on l'appelle Jimmy Jones à la place et Jim Jones. Donc, c'est juste, je pense que c'est une coïncidence. Voilà. Donc, le Jim Jones des diplomates, en fait, c'est en fait à la base, c'est juste une histoire d'amis entre Freaky Zeki, Jim Jones et Cameron. Voilà. D'accord. Ils ont créé les diplomates comme ça, c'est un groupe d'amis et tout et tout. Ça rappait un petit peu de temps en temps. Et on se rendait bien compte que celui qui était le plus talentueux des trois, c'était Cameron. Donc, il va rapper quelques trucs, il va gratter quelques trucs. Il apparaîtra toujours. D'ailleurs, dans les albums de Cameron, d'accord, il fera toujours ces trucs, mais ça ira pas plus loin. Il va pas faire de feat à droite, à gauche ou quoi que ce soit. C'est vraiment un son dans le truc de Cameron, et puis voilà. Et ce qui va en fait le décider, c'est l'album Diplomat Immunity, qui va très bien marcher. Mm-hmm. La signature de Cameron et de Joel Santana chez Rocafella, ouais. Le carton, il va se dire, bah, tiens, pourquoi pas moi ?
Du coup, il va créer son label avec Cameron qui s'appelle Diplomat. Et en 2004, il sort ce premier album. On My Way to Church. On My Way to Church. Et c'est pour ça que moi, ça m'avait fait un peu tilter parce que On My Way to Church. Oui! Ah, je comprends un petit peu mieux. D'accord. Tout, alors que bon, mais il s'appelle. Ouais, gros, c'est vraiment, c'est rien que le titre est choquant. Ça m'a un peu perturbé. Bref. D'accord. Certified Gangsta qui avait plutôt bien marché. Alors j'ai mis featuring Cameron, mais je crois qu'il y avait The Game aussi dedans. Alors l'album en lui-même, il est pas extraordinaire. Tu sens que c'est pas un rappeur de dingue. D'ailleurs, il s'est jamais réellement défini comme un rappeur. Mais en tant que, comme c'est en indé, en total indé, je pense qu'il va s'y retrouver. Mais l'album, celui-là, c'est pas, il est pas très très, c'est pas terrible en réalité. On sent qu'il est encore à. Il tâtonne. Mais bon, il est quand même 18e au Billboard. Il est quand même dans. Il sort dans un moment où Rockefeller le vent en poupe. Exactement. Beaucoup de gens se disent. C'est un peu comme quand Nas est sorti. On disait Nas, le rappeur, je me souviens à la télé, ça sortait Nas, le rappeur qui chante avec Lauryn Hill des Fugees, qui chante oulala. Jim Jones, il va bénéficier un peu de tout ça, on va dire. Jim Jones, du gars qui chante avec Cameron, qui est l'ami de Jay-Z, qui chante. Voilà. En fait, là, il sort ça juste après. Il sort ça, je me demande, juste après Diplomatic Immunity. Diplomatic Immunity, en fait, c'est le premier album où il va vraiment s'impliquer dedans. C'est vraiment le premier album où il va s'impliquer dedans. Et c'est de là qu'il va se dire bon, bah, je vais sortir mon solo, et puis ça va peut-être marcher, tout et tout. Donc, l'album lui-même ne marche pas extraordinairement bien, mais comme c'est en indé, ça va. C'est pas trop mal. Celui-là va mieux marcher. Diary of Summer, Harlem, Diary of Summer. Alors oui, j'ai oublié de dire que Jim Jones, c'est de Harlem. Oui. Ça va avoir son importance par rapport à la mode, parce qu'il est aussi très fan de mode. Et on sait qu'à Harlem, on aime le style. Trop des fois même. Donc voilà, pareil, quelques sons. Alors il n'y a pas de hit en puissance. Il y a des sons. Voilà, l'album. L'album marche mieux que le premier. 5e au Billboard. Alors il ne fera pas de certif, hein. Ouais. Il est en indé, mais ça marche. Ça marche bien, son truc avec Diplomate. Il doit force. Je crois qu'il vend 100, 200 000 à peu près. Mais voilà, 200 000 en indé, il est bien. C'est bien. Il est très bien. C'est son meilleur. Alors, c'est son. Alors, entre guillemets, on pourrait dire son classique. We Fly High. Le surf, voilà. Bowling. Fly High. D'ailleurs, qui sera platine, hein. C'est son plus gros succès. L'album, il se rend 6e, il fait en première semaine 100 000. C'est énorme pour un album en indépendant. Il est pas loin du disque d'or. Il est pas disque d'or, mais il est pas loin. Donc, ça marche très très bien. Il continue son évolution, tout va bien. De là, il réussit. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il a son unique album en major. Il signe chez Columbia. Et il va sortir Pray for Rain. Y a Pop Champagne qui marche pas mal. Par contre, l'album va moins bien marcher au final que le précédent. Donc, au final, il fera qu'un album chez Columbia. Il sortira, l'album ne marchera pas tant que ça. Ce ne sera pas un gros carton, malheureusement. Voilà. Encore Jim Jones. Alors, il revient du coup en indé. Capo, c'est son surnom. Souvent, on l'appelle Capo. Je crois qu'il est d'origine portoricaine. Portoricaine et Aruba, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, après là, on part dans un truc très indépendant. Les albums, ils sont. C'est pas extraordinaire. Wasted Talent. Voilà, alors celui-là, pareil, j'ai écouté, il n'y a rien de transcendant, il est en plein indépendant, alors il a changé de label, il a recréé un autre label, je pense que l'autre, il a recréé un autre label, et voilà, là, pareil, il n'y a pas de son extraordinaire. Alors du coup, il a ressorti un son qui s'appelle, alors il avait Capo, et il a El Capo. Alors avec Hitmakers, c'est les gars qui façonnaient, le son du Deep Set. Ils ont fait beaucoup de prod pour Cameron, pour les Diplomates, pour Joel Santana.
Et là, c'est un album qui est un peu à la mode depuis, depuis maintenant 3-4 ans, où on fait un rappeur, un beatmaker. Alors là, ils sont deux, les beatmakers sont deux, et ils font intégralement l'album. Et là, tu sens, bizarrement, c'est un album qui est beaucoup plus cohérent, et vous noterez qu'il est chez Rock Nation. Il est chez Rock Nation depuis... Enfin 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 c'est... Ben oui, mais parce que, logiquement, un gars qui est avec Royal Santana, Cameron, on se dit, mais pourquoi c'est pas chez Rock Café, là ? Ben lui voulait, en fait, lui, je crois que c'est une volonté au départ d'être vraiment en indé. C'est une volonté. Là, vous voulez pas. Et je pense que ça le... Parce que je pense que même en n'ayant pas de certif, il a dû se faire quand même beaucoup d'argent. Bah oui, pour Rock Café, là, le contrat était naze. C'est le, sûrement, c'est le calcul. C'est le calcul à faire. Après, c'est vrai que tes albums ont moins de qualité, tu as moins de budget. En général, c'est moins qualité parce que c'est plus compliqué d'avoir les gros studios, d'avoir les meilleurs ingés, d'avoir les meilleurs machins et tout. Bien sûr, ouais. Mais si ça marche, ça peut être le jackpot. C'est le calcul à faire. Alors après, voilà, c'est quelqu'un qui aussi, malgré tout, depuis, ce qui est marrant, c'est que depuis qu'il a fait son premier album, il est très prolifique. Donc, Diplomat Immunity, qui est leur gros succès avec les Diplomates. Alors, Diplomat, c'est Cameron, Freaky Ziki, Joel Santana et Jim Jones. Alors, pareil, comment dire ? On dit que c'est un gros succès, disque d'or. C'est un double album. Donc, le double album, quand on achète un double album, on considère que c'est deux ventes. Donc, en réalité, ils ont vendu au moins 250 000 double albums. C'est pas si énorme que ça, en réalité. Quand un double album est hors, c'est pas si énorme que ça. Après, ils sont partis en AD, Diplomatic Immunity 2. Bird Gang, c'est un autre clan qu'il a de son côté. Tu as des gars comme alors qui s'appelle Chinky Santana, Max B, comme ça. Ouais. Il y a d'autres collaborations. Il y en a un, Lobby Boys, avec Meno. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Meno, qui avait un succès. Je ne me souviens plus de quel titre il a, qui avait bien marché. Un gars de New York. Comment ça ? Meno, M-I-N-O. Il a un comme le stade de la Meno. Pas le stade de la Meno. Pas pareil. Meno, il avait un moment, il marchait bien, mais c'était le temps où New York... ils n'arrêtaient pas de faire des sons très sud, en fait, à cette période-là. Si j'arrive à trouver le single. Lobby Boys, non ? Ouais. Lobby Boys, c'est le nom du groupe qu'ils avaient. Mais lui, il avait eu un son qui marchait bien dans les années... So Brooklyn, non ? Non, je crois... Je me demande, c'est pas High Haters. Je crois que c'est High Haters en 2008. Je crois que c'est celui-là qui avait bien marché. 2008, et c'était une période où New York, c'était compliqué, les gars, ils sortaient des trucs, mais c'était très sudiste, et ça, ils avaient beaucoup de mal à cette période-là. Donc, il y a beaucoup de collaborations, il en a fait aussi avec DJ Webstar, et à ce moment, il est très, très prolifique, le Sir Jim Jones, et depuis 2020-2021, il sort pas mal de projets. D'accord. Donc, voilà. Voilà, en gros... pour Jim Jones, qui est bizarrement peut-être le membre le moins connu des Diplomates, mais qui était un peu le chef aussi avec Cameron. C'était les deux chefs du clan. C'est eux qui ont créé le label, c'est eux qui ont créé plus ou moins le collectif. Mais lui était toujours plus en retrait, bizarrement. Alors je vais commencer par toi, Fob. Jim Jones, déjà, est-ce que c'est un artiste que tu aimais bien en général? Et Diplomates, d'ailleurs, est-ce que tu aimais bien Diplomates? Parce que c'est vrai qu'en gros, ce qui est plus intéressant, c'est Diplomates. Ben, Diplomates, c'est plus intéressant, mais Diplomates, comme je le dis, c'est pas un groupe d'albums. Pour moi, il n'y a pas de classique. Pour moi, chez eux, il n'y a pas de classique. C'est simple. Il y a des bangers, des morceaux qui sont là. Chez Raul Santana, il a des bangers. Cameron, il en a. Jim Jones, il en a. Très bien. Cameron, comme With Me, qui est quand même un gros album. Hein, c'est... J'ai le droit de ne pas l'apprécier. T'as le droit de ne pas l'apprécier, mais tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas un classique. Je ne sais pas ce que tu appelles classique. Mais il est considéré comme un classique. Par exemple, Akeminai est un classique pour moi. C'est oui, non, pas non, du après, même, c'est... Après, chacun, voilà.
Chacun a sa définition du classique. Voilà, hein, y a des, pour moi, c'est un bon album de rap, mais c'est pas le classique, c'est pas le morceau, c'est pas l'album qui va changer quelque chose dans le hip-hop, pour moi. Pareil pour Jim Jones. Donc, en arrivant, en écoutant celui-ci, je m'attendais pas à une révolution. Je m'attendais pas à une révolution. Mais vu ce que j'avais eu dans les oreilles avant, j'étais quand même content de l'avoir. Voilà. Donc, pour moi, pas une grosse importance de Jim Jones dans l'histoire du hip-hop, pour moi. C'est pas une grosse importance. Il a son gros hit. Voilà. Après, c'est vrai qu'il a pas... En plus, alors moi, ce que je reprochais beaucoup à Jim Jones, c'était de mettre à boire et à manger, quoi. Il mettait la trappe avec un son R&B derrière, et puis après, il pouvait te remettre un boomba pour remettre un trap et tout. C'est une cohérence, monsieur, quand même. Un peu. Bah, c'est... un minimum. C'est pas... Voilà, mais bon. Ouais, il n'a pas une grosse maison de disques derrière. Donc non, c'est ça. DA, ça n'empêche pas... Il n'a pas de directeur artistique. C'est ça. Sans directeur artistique, on peut quand même être cohérent dans le choix de... Là, c'est... Si tu n'as pas les compétences... Choisir ses instrus, pour moi, c'est une compétence quand même de choisir ses instrus. Peut-être que le gars n'est pas compétent, peut-être qu'il lui faut de l'aide à ce niveau-là. Il pouvait être aidé par Cameron, puisque Cameron lui-même était c'est son ami, son proche, c'est des proches depuis longtemps. Il pouvait aussi le conseiller le driver. Bon, après, il a quand même. Tu vois, je crois qu'il s'en est sorti malgré tout. Hein. Il s'en sortait très bien parce qu'en indé, effectivement, ça se vendait plutôt pas mal pour de l'indé. Mm-hmm. Mais c'est vrai que la qualité des albums n'est pas non plus extraordinaire. Mm. Et puis même le rappeur en lui-même, je préférais même Juel Santana à Jim Jones, voire même peut-être même à Cameron. Je préfère clairement Juel Santana, je le dis. clairement. Je trouve qu'on s'ambiance mieux sur un album de Juel Santana que sur. C'est beaucoup plus dynamique, Cameron. C'est le truc Harlem, quoi. Un peu chamallow, là, le truc. Exactement. Voilà. Autre chose, parce qu'il a fait le projet qu'il a fait donc avec Hitmeka. Hitmeka, c'est aussi une drôle d'histoire parce que c'est un rappeur il vient de Chicago. Il avait signé chez le label de DMX Bloodline sous le nom de Iceberg. D'accord. Et ensuite, il a signé chez Epic sous le nom de Youngberg. Et Youngberg, sous ce nom-là, il a eu quelques tubes comme Sexy Lady, Sex Can I, The Business. Et donc, il a eu une petite carrière quand même sous ce nom-là. Sexy Lady de qui? De Shaggy? Non, c'est un autre. Ah, d'accord. Un autre. Mais qui avait bien marché. Hein. Il était, je crois qu'il était top 10 dans le Billboard, ce son. D'accord. Sexy Lady. Donc, il a eu une petite carrière. Sauf que l'album derrière n'a pas pris. Ensuite, il s'est recyclé dans la production. En 2009, il a créé qui s'appelait The Dream Team avec un de ses frères. Il a d'ailleurs coproduit pour Nicki Minaj. Enfin, il a produit pour quelques artistes. Et du coup, c'est lui qui produit cet album. Voilà, on est dans la comme d'hab le combo maintenant hitmaker rappeur. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé du projet FOB dans l'ensemble? Il y a un vrai problème. Ça commence déjà, le projet, il porte un nom qui amène une promesse. Back at my prime. C'est-à-dire que là, tu es de retour, tu es censé être retour à ton prime. Donc, attention, quand tu... Son prime n'était pas extraordinaire. Il a déjà été à son prime. We Fly High, c'est un tube. Voilà, je les réécoute. Oui, mais... Il faut savoir... Il y a Pop... Les deux tubes qu'il a, c'est celui-là et Pop Champion. Fly High et Pop Champion. Mais s'il est de retour à ce niveau-là pendant tout un album, d'ailleurs, c'est même pas un album parce qu'il n'y a pas énormément de morceaux. Voilà. Je me dis, t'es peut-être capable, sur 8 sons, de tenir ce niveau. Donc, il y a une belle promesse. Il y a une belle promesse. Et je rappelle que je viens d'écouter l'album de Niro. Donc, je suis enclin. J'ai des points en stock. J'ai des points en stock à donner. C'est possible. Puis, j'écoute cet album.
grosse déception pour moi. Grosse déception parce que ça commence avec, pour moi, un morceau feignant. Ça commence avec un morceau feignant. Ouais, je trouve le morceau, reprendre le Step Into The World. Oui. Et en faire... Je trouve que c'est... On commence avec une petite feignantise. On commence avec une petite feignantise. C'est adorable, c'est feignant, la phobe. Hein. Bah, c'est feignant, quand même, d'aller chercher un morceau qui est clairement un banger. Surtout nous qui font puff. On dit beau feignantise, puff. Non, mais là, on est dans... Là, c'est on pas... est censé... Moi, je dis rien. Moi, je dis rien, parce qu'après, on va encore dans ça. Non, mais attends. Direct, on m'a pas dit... On m'a pas dit que j'allais écouter un album de Bad Boy. On m'a pas dit ça. On m'a dit que j'écoutais un album d'un gars qui venait, semble-t-il, de l'indépendant, qui a travaillé avec les diplomates. Il y a eu des We Fly High, des Pop Champagne. Je m'attends à un travail. Surtout qu'il n'y a que 8 sons. Je m'attends à un taf. Le premier son que je reçois, c'est celui-là. Je me dis, les gars, de puff, ok, T-Rex, tu as raison, ça aurait été puff. Ok, très bien, je m'y attendais. C'est pas... Mais là, Jim Jones, qui à mon avis a dû pendant longtemps s'interdire les pufferies, oui, insulté même. Tu as dû insulter. Je vois. Bon, ça ne m'étonnerait pas que Jim Jones s'est insulté. C'était la mode. C'était quand même la mode. Franchement, il a quand même beaucoup de sons R&B quand même. Justement. On va y venir. Donc, je reçois ça. Je reçois ce premier son. Je me dis, oh, un peu feignant. Mais bon, je rentre dedans. Passable. Je rentre dedans, passable. Je regarde la suite de l'album. Bah, écoute, un Ty Dolla Sign, ok. Le fameux West Side Gun que tout le monde met. C'est Benny the Butcher. Benny the Butcher, enfin, ouais. Je sais pas, c'est la même. Il y a Jeremiah. Mais justement, je vais y venir. Le Jeremiah. Il suffit pas de mettre Jeremiah pour avoir un son R&B. Encore faut-il y mettre un petit peu de cœur. Non, franchement, cet album-là, pour un prime, je le trouve d'une feignantise énorme, quoi. Je trouve que les prods sont pas transcendantes et on fait le minimum. Attendu. Pour moi, c'est un album plus marketé. C'est un album plus marketé où on pourrait essayer d'avoir l'auditeur lambda pourrait l'avoir en disant ouais, il y a 2-3 sons qui vont te rappeler 2-3 trucs, ça va être bien, et puis pourquoi pas, tu vas être dedans, ce sera sympa. Mais au final, je trouve que Niro a mis plus de cœur dans son truc que j'aime pas que Jim Jones dans celui-là. Donc je vais pas être même si je préfère la catégorie de Jim Jones, le cœur, il est plus chez Niro. Je te trouve sévère quand même avec ce projet. Il y a des trucs. Moi justement, j'ai bien aimé le petit clin d'œil juste du coup sur Gunshot. J'ai bien aimé le petit clin d'œil. Donc moi, ça m'a plu. J'ai pas cherché la feignantise parce que si on devait chercher tous les gars feignants qui faisaient des sons, on s'en sortirait pas. Dans les années 90. Non mais pour qui connaît un peu le deep set. J'ai vu un clin d'œil plus que de la feignantise. J'y ai vu un clin d'œil. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai bien aimé. Le premier son, j'ai bien aimé. Après, effectivement, il a des sons plus ou moins un peu R&B-sant, entre guillemets. Ouais. Avec des filles. C'est total R&B, ce truc. Ouais. C'est vrai que ça m'a surpris à ce niveau-là. Il y a des trucs. C'est R&B de ouf. Comme je, mais
Après, une fois de plus, pour avoir refait la discographie de Jim Jones, c'est un truc qu'il fait régulièrement dans ses albums. C'est pas une... J'ai pas été j'avoue, je sais pas. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Mais c'est pas ses... Donc voilà. C'est pas ses primes. Ces morceaux-là ne sont pas les primes de Jim Jones. Mais après, c'est quoi les primes de Jim Jones? Non, mais je vois ce qu'il veut dire, effectivement. Tu me fais un album Back in My Prime. Oui. Je veux We Fly partout. C'est un one shot, ça. Il a jamais eu il a jamais eu même deux sons de ce niveau-là. Non, c'est son plus gros. Mais c'est là où tu vois sur un morceau de 8 sons, sur un album de 8 sons, tu vois. Il y a pas longtemps, on a eu un truc comme ça sur Busta Rhymes, sur 5-6 sons qu'il a fait. Sur 5 sons. Les morceaux étaient des... voilà, moi pour moi ils étaient... c'était Busta sur toute la longueur, quoi. C'était là, on est toujours dans le truc, c'est qu'on est dans la configuration rappeur beatmaker. C'est pas comme avant. Jim Jones, il prenait un rappeur du... un beatmaker du sud, il prenait un beatmaker R&B, il prenait voilà et machin, et puis il envoyait ça comme il pouvait et faisait un album. Là, il est avec un beatmaker, donc forcément tu vas avoir une certaine, entre guillemets, direction. Ouais. Tu vas avoir une certaine direction. Soit tu vas aimer, soit tu ne vas pas aimer. Ouais. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient d'être avec un seul beatmaker. Mais connaissant Fob, je suis étonné qu'il n'aime pas cet album. Je vais revenir. C'est toi, tu l'as dit. On est en 2023, tu vois. Il a dit, on est en 2023. Parce que je te connais assez bien. Autant le Niro, je savais que tu n'allais pas aimer. Mais autant celui-là, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah ça devrait plaire à Fob. Ah oui, moi je me suis posé. Je me suis dit, parce qu'il y a eu des vrais, il y a des vraies voix R&B. Il y a des vrais trucs R&B. Il y a des vraies facilités. C'est bizarre que tu kiffes pas. C'est étonnant. Il y a des vraies facilités dans cet album. Il y a des vraies facilités. Je trouve que c'est trop... C'est trop simple. C'est trop simple pour un album de 6 morceaux. Je trouve quand même que l'album, dans l'ensemble, est déjà plutôt cohérent. Ouais, je te trouve que c'était nerveux aussi. Et dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Moi, franchement, moi, personnellement, après justement avoir vu... Enfin, j'ai réécouté la discographie et j'ai réécouté ce projet. J'ai dit non, ouais, Il est hyper accessible, en fait. Il est accessible encore une fois, je suis étonné que Fob, que je sais qu'il aime le R&B à peu près comme moi, ouais, il n'ait pas aimé cet album. C'est bizarre. Mais attention. Je ne sais plus. Le R&B aussi, il a évolué. Le R&B aussi, il a évolué. Il suffit pas d'appeler Jeremiah pour dire que ça y est, j'ai ma caution R&B. C'est d'une simplicité, je trouve. Qui est voilà, mais en 2023, on aimait tellement de trucs simples dans nos vies. Je suis sévère sur la simplicité quand tu m'annonces ton prime. C'est pas le prime de Billy. Tu m'annonces ton prime. C'est pas le prime de Jordan, c'est le prime de. Mais ne l'annonce pas. Luc Longlet, de Luc Longlet. C'est Luc Longlet, c'est mon prime. Prime de Jojo. Voilà. Non, c'est. Voilà, après, mon avis. Il n'aurait pas dû l'appeler retour à son prime. Ben oui. Déjà, il y a une étonné, mais honnêtement, je suis étonné que tu n'aimes pas cet album. Et attention, je t'ai pas dit. C'est dingue parce que nulle part, j'ai dit que j'aime pas cet album. Je sens que tu dis que j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'est un album d'une simplicité trop simple, beaucoup trop simple. C'est un album. Mais tu aimes. J'aime le fait qu'on retourne à certaines sonorités. Ah, j'aime le fait. Là, je te rejoins. Attends. J'ai rien dit. Attends. Je m'attends au prime de Jim Jones. C'est comme si, allez, on bascule. Ça ne s'appelle plus rap and dumb, ça s'appelle R&B and dumb. Ça s'appelle R&B and dumb. Aujourd'hui, il y a un album d'R. Kelly qui sort. Voilà. T'as le truc niveau Jason Derulo. Tu vas dire, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? La Fob.
parle d'R. Kelly. Mais là, on parle de Jason Derulo, justement. Et le gars, R. Kelly, te sort un album, il te marque de retour, pour tout défoncer. Jim Jones, ouais, mais Jim Jones, c'est pas Jay-Z. Pas Jay-Z, ben oui, voilà. C'est exactement il n'a pas le même prime. Et là, je trouve que, honnêtement, cet album-là, je le trouve plus fort que tout ce qu'il a fait avant. Moi, personnellement, Tom, il ne va pas encore me demander ce que j'en pense. Mais je vais le dire maintenant. Moi, je trouve que par rapport D'ailleurs, dis-le. Dis-nous ce que tu en penses, direct. Dis-le. Vas-y, attends. Ben, moi, franchement, j'ai bien aimé. Moi, je m'attendais à du Jim Jones relou d'habitude. Parce que honnêtement, moi, Jim Jones, j'ai jamais calculé. J'ai jamais calculé ce crew-là. Tu sais, je kiffe pas trop. Ils ont un banger, deux bangers que j'aime bien. Par exemple, le Cameron Oboy, bon, ouais, c'est marrant. T'es en soirée, quand Oboy arrive, t'es là. T'es éclaté, tu kiffes. Comment Oboy Comment tu fais ça bien? Tu entends un réfoir. T'es content de l'entendre ce morceau, tu vois. Mais c'est pas des gens que... Ah, tu sais, dès qu'ils sortent un album, j'étais comme un ouf. Donc, et franchement, le Jim Jones, ce qu'il a sorti là, pour moi, c'est le meilleur truc qu'il ait sorti, moi, personnellement. C'est un petit projet. Je trouve. C'est un petit projet sympa. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est pour ça que je trouve que toi, Fop, t'es pas... Enfin, non, t'as dit que t'as aimé, mais tu t'attendais à mieux. Évidemment. Évidemment. Mais cela dit, il a jamais fait mieux. Ben, il a fait, et comme je dis, il a ses bangers. Et comme je dis, il y a six morceaux. C'est pas là. Mais quel banger. Mais quel là... banger qui est mieux que I Am, par exemple, qu'il a. De quoi? Ben, il y a le morceau I Am de Jim Jones là, dans son album. Quel banger il a mieux que ça, franchement. Rien que ce morceau-là. You Fly High. À part ça, la plupart des participations qu'il a dans le deep set, elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Moi, je trouve le deep set, ce que j'aimais dans le deep set, c'est il y avait une il y a eu la créativité de Just Blaze et tout ça, mais il y avait une créativité dans le deep set. Il y avait ces instrus un peu haché, etc. Il y avait cette partie-là qu'on ne retrouve absolument pas dans le Jim Jones. C'est pas un Jim Jones, par exemple, Hitmakers. Voilà. Peut-être que tu l'as retrouvé si c'était le projet précédent, par exemple, El Capo. Mm-hmm. Tu ressens vraiment un côté, justement, déjà plus cohérent, mm-hmm. et qui ressemble plus à ce que, justement, font les diplomates. Exactement. C'est Hitmakers qui le font, et que Hitmakers, effectivement, c'est parmi les architectes du son diplomate. Ouais. Donc là, tu peux peut-être te retrouver dans un truc plus cohérent, plus diplomate. Mmh. Là, c'est un autre gars. Donc forcément, c'est pas les mêmes instrus que tu vas avoir. Ben, c'est sûr. Et moi, perso, j'ai été surpris. Je m'attendais moi-même. Je me dis, bon, je vais faire Dean Jones parce que c'est vrai que c'est un gars quand même. Ça fait un... Moi, j'ai dit, tiens, il sort un projet, je vais l'écouter. Et j'ai écouté, je suis, oh, mais c'est pas mal. De vous à moi, vous sentez une patte d'instru d'Hitmaka? Vous sentez qu'il y a une patte de ces instrus? Une vraie patte? C'est un truc... Est-ce que demain, je te lance une instru comme ça? Non, mais je vais pas dire... C'est Hitmaka qui l'a fait. Est-ce que dans les sons qu'il y a là, est-ce que dans ces sons-là, tu vas dire, ah, c'est une prod d'Hitmaka? Dans l'esprit, c'est un album quand même qui est cohérent, avec un truc plutôt... Alors c'est vrai... quand même assez R&B sur beaucoup de sons, mm-hmm. ça reste quand même cohérent, c'est sympa. Après, je vais pas te dire non plus que c'est un classique. Ah bah on est d'accord, mais c'est pas un prime. Il a mis la barre un peu haute par rapport à Jim Jones. Mais c'est pas un prime. Si tu te dis, c'est peut-être son prime là. Son prime, il est peut-être là. J'ai l'impression que Jim Jones, vous n'attendiez vraiment rien. J'attendais rien. Moi, j'étais avant de me dire, tiens, il est pas mal le Jim Jones. Je vais l'écouter, mais sans réelle prétention. Hein. Mm. J'ai vu qu'il sortait un projet, j'ai dit, tiens, je vais l'écouter. Mm. Et en l'écoutant, je dis, c'est pas mal. Il y a des trucs, ça sera l'occasion de parler de Jim Jones. Et puis, j'étais comme toi, Dom. Moi, j'en attendais rien. Et j'ai fait, c'est pas mal. Donc, comme je dis, Jim Jones, c'est vrai que c'est
même dans le diplomate, c'est pas le gars que j'en calcule. Ouais, mais quand je vois le parce que We Fly High, je vous jure que dès que je l'entends, je fais oh, oui, c'est un banger, mais comme tout le monde, chaque fois je me dis, tout le monde le fait, on est tous dedans quoi. Quand il arrive, je me dis, mais c'est un de mes morceaux, voilà, c'est vraiment un de mes morceaux de rap préférés. Et quand j'entends ce gars, j'attends un prime, je dis, j'attends ce prime, j'attends ce bangers. Il n'est jamais venu dans cet album, jamais venu. J'ai réécouté les projets. C'est pas transcendant non plus. Il y a des trucs, il y a des bons trucs, mais t'as pas d'album classique. Non, il n'y a pas d'album y a pas classique. Après, t'as des bangers. Effectivement, t'as 2-3 bangers. Quand on est de 2019 et qu'on arrive 4 ans plus tard pour sortir 6 sons. Non, mais il a fait d'autres trucs. On peut pas faire ça. Par exemple, le Lobby Boys qu'il a fait avec Meno, il est pas mal non plus. On peut pas. Mais on peut pas des trucs, voilà. On peut pas arriver et dire ça va être mon prime et sortir ça. On peut pas. C'est pas normal. C'est pas normal quand on a fait un bangers de ouf comme ça. On peut pas venir et faire que ça. Ou alors il fallait dire petit album en attendant. Il fallait l'appeler Jim Jones l'expérience. De Jim Jones Experience. Tu fais ton relou à cause du titre de l'album. Voilà. De Jim Jones Experience. Voilà. Et on y est. Mais là, bon. Après... Autant il y a des albums, par exemple, les albums, les partout. Quand tu fais un partout classique, ça, je suis d'accord. J'aime pas. Parce qu'en général, c'est toujours moins bon que le classique. Quand Jay-Z, par exemple, enfin, je prends Jay-Z, mais il y en a tellement d'exemples. Ouais. Il fait le Blueprint 2. Mmh. Il est moins bon que le premier. Évidemment. Et j'aime pas les partout. Raekwon, pareil, il a fait le Only Built for Cuban Links partout. C'est un bon album, mais il est moins bon que le premier. Et déjà, mais ça change. Tu t'attends au prime du premier. Mais Jim Jones, il a aucun prime. Au moins le niveau. Si tu n'as aucune exigence, c'est normal. Mais comme je le dis, l'exigence implique l'intransigeance. Mais c'est comme quand tu vas voir un film et que tu n'as pas vu le trailer. Voilà. Tu n'es jamais à l'abri d'une bonne surprise. Tu vois, c'est ça, Jim Jones. C'est-à-dire que je suis rentré comme ça et il y avait de la lumière, j'ai mis le truc. Je me suis dit, mais c'est pas bien. Ouais. Ça va, c'est bien. Voilà, bon. Tu n'en attendais rien, quoi. Donc, voilà. Moi, Jim Jones, c'est pas un gars que s'il sort un truc, je vais être là. Ah, Jim Jones. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment. En regardant les trucs des nouveautés sur Deezer, j'ai vu Jim Jones a sorti un truc. Oh, je dis, bah tiens, je vais écouter pour voir. Mais vraiment sans. Et en l'écoutant, je fais, bah c'est pas mal, bah tiens, on va en parler. Mais j'avais pas écouté avant, je l'aurais peut-être même pas proposé. Bah, en plus, son clip, il est bien fait. Il a fait un petit clip, c'est pas mal. Ouais, non, il a des trucs. Il y a des belles couleurs. Il y a un gars investi. Alors, juste avant, des petites anecdotes concernant Jim Jones. Ouais. Il a raté Drake et J. Cole au niveau des signatures. Bah, c'est dommage. Alors, Drake, en fait, on lui propose Drake et on lui dit, ouais, c'est à l'époque, il jouait dans Degrassi. Et il a dit, ouais, mais attends, c'est un gars de Disney en chaise roulante. Du coup, c'est un Canadien aussi, il a dû se dire. Il n'a pas signé. Et J. Cole, en fait, il n'a pas signé parce qu'il trouvait qu'il ressemblait trop à Drake. Voilà. Bon. Autre chose, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Revolt. Non. C'est Puff qui a créé ça. Je crois que c'est un réseau... C'est pas bien. Je ne connais pas un réseau de Puff. C'est un réseau, je crois, de... De révolter. Internet, je crois. Mm-hmm. Enfin, voilà. Et il a fait la météo. Mm-hmm. Il a fait la météo pour ce réseau. Et il aime beaucoup la mode. Et il a une marque qui s'appelle Vampire Life Clothing avec Dame Dash. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis, voilà. Sinon, si vous avez rien d'autre à rajouter. Si ce n'est que à cause de. C'est peut-être eux qui ont lancé la mode des chemises roses. des fourrures roses et des trucs comme ça. Après, voilà, Jim Jones, c'est vrai que c'est pas le gars
Déjà, c'était pas le gars le plus fort du deep set. Mais en plus. Le gars qui va remarquer l'histoire du rap, quoi. Ah bah, c'est dommage. Mais c'était bien d'en parler quand même. C'est dommage, on a. Dommage. D'ailleurs, vous voyez, dans le deep set, c'était qui votre gars? Moi, j'avoue, c'est Joel Santana. J'aime bien, ouais. J'aimais bien Joel Santana. Bon, Cameron, c'est celui qui a le mieux marché. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un coup de cœur pour Joel Santana parce qu'il est. Voilà, l'album. Et puis, il y a un morceau où ça sifflote dans l'album de Joel Santana, là. Ouais. Je sais qu'il y avait une vraie ambiance. Il y avait une ambiance deep set. J'aimais bien. Voilà. Et toi, T-Rex, tu n'étais pas un grand fan, mais t'avais un gars en particulier. Ah ouais, je suis d'accord avec vous. Hein, Joel Santana, tu t'embrasses bien dessus. Mais Cameron, le petit homeboy, quand même, je trouve que dans tous ces gars-là, là, celui qui a sorti le plus gros banger, pour moi, c'est... Ah oui, c'est clair. Mais c'est Cameron, c'était le plus fort. Le homeboy, il claque, quoi. D'ailleurs, il avait déjà des albums avant d'intégrer... Ah, c'est le morceau que je kiffe le plus dans leur groupe, quoi. C'est le homeboy. Et d'ailleurs, c'est peut-être le début de la fin de Rock Café, là. Hein, parce qu'à ce moment-là, chacun prenait, en fait, leur gars. T'avais Jay-Z qui avait le State Property, Dame Dash qui avait les diplomates, mm-hmm. Et on sait que Cameron avait une plutôt grande gueule et il a beaucoup provoqué Jay-Z en étant dans le même label. Donc ça a créé quand même des tensions et c'est peut-être une star à côté, il s'est pris pour une star, quoi. Vraiment... Ouais, parce que il a eu deux singles qui ont bien marché, Emma et Oh Boy, qui les deux qui ont cartonné. Puis c'était à l'époque où peut-être Jay-Z, il n'avait pas encore. Il était vraiment. Il n'était peut-être pas encore à son. Au level où il est actuellement. T'allais dire Prime. J'ai failli dire 7. Prime. Oh là là. Et il se sentait un peu pousser des ailes et il a un peu. C'est vrai que ça a créé des tensions parce que même. Il y a une histoire comme quoi il l'avait zappé sur le remix justement de Oh Boy où il y avait Mariah Carey, je crois. Il y avait une embrouille comme ça et ça a été un peu tendu. Et je crois que c'est une des raisons qui fait qu'après Jay-Z, enfin qu'ils ont. C'est un truc qui s'est un peu cassé la gueule parce que les gars se parlaient pratiquement plus après, quoi, sur la fin. Voilà. Bon, écoutez, on va passer au roi de la galette. Non, on n'a pas donné de notes. Ah, pas de notes. Oh, il y en a qu'un qui suit l'émission ici. C'est incroyable. Moi, je vais mettre. Je suis le boss. Je vais mettre un 7. 7. Un 7 5. Sur 10. 7 un sur 10. 7. C'était ouais. 3, moi, je mets la même note que Niro. Un 7. Un 7, ok. Niro, j'ai mis combien? 7,5 7,5. Ouais, moi, je mets 7,5. Un 7, ouais. Non, parce que franchement, ce match... Moi, j'ai bien aimé. J'étais bien sur une bonne surprise. Il y a des bons petits sons. Ah, le I Am, effectivement, avec Steph London. Ah, il glisse, hein, le I Am. Très. Allez voir le clip. Il est pas le clip est bien tourné. C'est beau, c'est joli. Mmh. Oh, voilà. Moi, je mets un petit 6. Voilà. Ah, quand même. Ah, attendez, je vous dis. Je vous ai dit que j'aimais ce type de son. Mais je suis déçu. Je te reconnais bien, là. Ça m'est donné aussi, À un moment donné, j'ai cru, je me suis dit, putain, je ne reconnais plus mon phone. Mais... Ok, je te reconnais. Il va me dire, j'ai changé. C'est toujours changé. Non, c'est toujours toi. T'es beaucoup plus sévère maintenant, mais je crois que c'est l'âge. Tu deviens bougon. Tu es bien bougon ou vieux con, je sais pas, La question hip-hop, il faut qu'on crée un générique, Dom. Non, mais avant le roi de la galette, avant. Le roi de la galette? Alors, je ne suis plus vraiment... Après, la question hip-hop. Suspense, qui c'était est le roi de la galette? Non, je ne sais plus. Le roi de la galette. Donc, c'est quoi? C'était l'album? Ouais, mais il fallait me dire. Le roi de la galette. Qui est le roi de la galette? Allez, on le met en groupe. Bah, bam. C'était facile, ça. Ça a été serré, mais... C'était serré, hein. Ouais, il y a quelques... Là, ouais. C'est qui le deuxième qui... Il y avait deux ou trois personnes sur... Il y avait le son de Tiger. Il y avait le Lady Ray aussi, là, celui que vous dites qu'il est... Oh, celui-là, il est hors jeu. Désolé. Hors jeu de ouf. Ghostface, il est plus rap que certains sons que vous avez mis où ça chantonne. Ouais. Par exemple... Pour moi, c'est beaucoup plus rap que le Tiakola. Tiakola, il chante tout le temps. Franchement, Dom, là,
Ça, y a, franchement, faudrait qu'on se mette une règle, minimum deux strophes de rap. S'il vous plaît. Minimum deux strophes de rap. Grand chose, qu'on considère que c'est du rap. Parce que là... pas grand, grand chose, juste voilà, c'est deux strophes de rap, deux, trois rimes. Voilà, c'est, voilà, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Un minimum. Allez. On y va, les gars. On y va pour la liste hip-hop. Pas... Oh, facile, mais comment fait-il? Mais c'est incroyable. C'est bah, toujours la... Alors maintenant, Valérie est à 4 points. Donc, il n'est pas loin. Mais c'est incroyable. Il n'est pas loin. Ce qui me fait penser, c'est que la West Coast est à 1 point de l'Underground. Eh ouais. L'Underground. Qui gagne. L'Underground est là. Bravo, l'Underground. Bravo, voilà. L'Underground. Alors, la question hip-hop, elle est facile, celle-là. Attends. Hop. Elle Jingle. Est facile. La question hip-hop. Pop. Elle est facile. Vas-y. Quel rappeur a interprété la musique du générique français de la série Prison Break? Faf Larage. Bien joué. Bien joué, Fob. Ah, bien joué. Tu as été réactif, bien joué. J'ai pas le temps, faut y aller. J'ai pas le temps. Ouais, bien vu. Ouais. Allons-y. La galette de Rouliane. Logic, rappeur de Gettysburg dans le Maryland. Ouais. Alors, Logic, c'est un rappeur qui a eu une enfance assez particulière parce que son père était cocaïnomane. Mmh. Sa mère était alcoolique, ouais. Et voyait son frère fabriquer et vendre du crack. Ok. C'est quand même particulier. C'est quelqu'un qui quand même avait un certain buzz parce qu'il a eu 3 albums platine et un album or, et qui depuis un peu de temps est un peu moins. Là, c'est un le Vinyl Days. Ça sort d'un album qui s'appelle Vinyl Days aussi et qui est sorti l'année dernière. Il a sorti un nouvel album en 2023 qui s'appelle College Park. Mm-hmm. Et je me dis peut-être que ça serait l'occasion peut-être d'en parler. On verra. Mais Logic, il a pas. Logic, c'est assez. Il a un morceau d'anthologie avec Eminem, Logic. Oui, mais c'est quelqu'un qui, à un moment, était très très haut. C'est un truc un peu à la J. Cole, hein, au niveau des ventes, tout ça. Il vendait un peu comme un J. Cole. C'est un gars qui était assez carré dans là-dedans. Hein. À suivre, vraiment à suivre. Il était chez Def Jam, mais maintenant il est chez BMG. Il a signé, il a un nouveau label et il a sorti un album qui s'appelle College Park. Pas mal, bon petit son, voilà, sympa. Souhaite. On va aller voir. Par contre, featuring DJ Premier, ça veut dire que c'est. Il va rapper? Non, tu sais très bien que DJ Premier, dans ce cas-là, il scratch. Ah non, j'ai cru. Donc, voilà. Ok. Voilà. Lil Wayne DMX. Alors, pareil. Lil Wayne DMX, pas mal, hein. Production Swiss Beats. Mm-hmm. Alors, quand on dit featuring DMX, il dit juste, on entend juste la voix derrière de DMX, il fait wow, yeah. Enfin, voilà. Quoi. D'accord. C'est un Lil Wayne. D'accord. C'est un Lil Wayne, mais il considère que c'est featuring DMX. Ok. Voilà. Très très bon son, hein. Loin en forme dessus. C'est son dernier single, je crois. Incroyable. Voilà. Alors voilà, Tiakola. Moi, je suis désolé. Bon, est-ce que c'est bah, il rappe, hein. Tiakola, il rappe. Bah, Tiakola, c'est le style de rap de Tiakola. Ça, non, c'est du R&B, ça. Ou est-ce que c'est du mauvais rap? Ou est-ce que c'est pas du mauvais rap? On ne sait pas. Tiakola, c'est son style de rap. Bon, après, ok. Ouais, je sais pas. Mais pour moi, c'est il est dans la sélection. La on va voter. Actuelle. Après, il y a Niska et Gazo. On peut dire que les gars, aussi, ils sont pareils, à part Niska qui vaut. Ouais, Niska, il rappe un peu plus, mais Gazo aussi. Gazo, je sais plus, est-ce qu'il rappe, est-ce qu'il. Gazo aussi, c'est de la mouvance un peu chantonnée. Mais c'est le rap français de maintenant, donc je sais pas. Je suis d'accord avec vous. Il y a, alors je sais pas si vous connaissez Amine et Hugo. Non. C'est... Amine et Hugo, c'est deux gars qui font souvent, ils se filment en train de faire des premières écoutes. Ça marche très très bien. Ouais. Donc tu les entends, enfin tu les vois en train d'écouter, dire leur avis sur l'album. Nanana. Et il avait donné, alors je vous écoute, je me souviens plus exactement, mais il avait donné une bonne définition de ce qu'est le rap par rapport à ce qui peut le
pas être du rap. Attendez, il y a quelqu'un d'autre que Valérie qui donne des définitions du rap ? Mais oui ! Donc on a le petit Valérie et donc voilà, donc il donnait une définition à peu près de ce qu'était vraiment le rap. Je vous invite à l'écouter. D'accord. Voilà. Donc Tiakola, rappeur de la Courneuve. Voilà. Qui faisait partie qui fait partie des 4 queues. Qui d'ailleurs se sont réconciliés avec les 4 queues gang, j'ai cru comprendre. Ah. Ils se sont réconciliés lors d'un Planète Rap là, derrière. Ah, donc ils seront là à son concert. Peut-être qu'on aura une reformation du 4 queues en entier, je sais pas. C'est une histoire assez compliquée, 4 queues. Ah, c'est comme tous les groupes. Les groupes, voilà. Ouais, après, voilà. C'est la nouvelle poule aux œufs d'or de Watibé. Hein, ouais. C'est sa nouvelle. Alors, on espère qu'il ne paye pas 200 euros dans ses concerts. Ouais, mais là, il est tout seul, Tchako. Ça va. Ouais, donc, en imaginant qu'il paye 200 x 8, il doit toucher 1600. Ouais, voilà. Alors, Red Z, c'est un rappeur tchèque. Et franchement, le son est bon. J'ai beaucoup aimé le son. Tchèque, alors très fan, très très horrorcore. On est dans l'horrorcore pur et dur. J'ai vu les titres d'album. C'est du premium, ça. Oui, c'est pas oui. Ah oui, c'est premium. Ok, d'accord. Regardez, on sait que c'est premium. Bohemian Psycho, ouais, c'est un album. Mais j'ai vu les titres d'album. Moi, on est dans l'horrorcore pur et dur. Mais franchement, ce son, j'étais surpris. Très bon son. Alors, le fameux homme de main de P. Diddy. Oui, l'homme de main, Fonsworth Bentley. Celui qui, ben justement, celui qui est le larbin de P. Diddy. Qui le larbin, oui, parce que voilà. C'est... Mais qui l'a assumé et qui a justement ben, fait sa petite carrière là-dessus. Et dans sa petite carrière, il a sorti un album qui est passé assez inaperçu à l'époque. Mais dedans, on pouvait trouver une petite pépite. Avec André 3000, je peux dire les choses, par André 3000, voilà, et Kanye West, un petit morceau qui s'appelle Everybody. C'est à l'ancienne, voilà, ça c'est pas 2023, mais déjà, on voit que les trois là avaient été très 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 créatifs. Alors, sur Deezer, il y a une partie de l'album, mais il n'y a pas ce son. Il n'y a pas ce son. Et j'ai écouté 2-3 sons d'ailleurs de ce projet. Franchement, il y a des bons trucs. Ah oui, c'est. Très bons trucs. Franchement, c'est vraiment. Que c'est Puff derrière. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais non, je ne suis pas certain que ça soit Puff derrière. Mais sur celui-ci, le Everybody, je ne serais pas étonné qu'il y ait Kanye derrière. Ah, Kanye, ouais. C'est ouais, je ne serais pas étonné qu'ils soient un peu derrière. Et puis bon, quoi, voilà. Les deux rappeurs qu'il y a là, on sait ce qu'ils sont devenus. Même le clip est sympa. Hein. Et le clip est hyper cool. Hyper le clip est sympa, Donc, ouais, bah, encore une fois, Deezer, vous faites chier, hein, mettez tous les sons. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils ont mis que. Je crois qu'il n'y a que 8 sons sur le projet. Et y a peut-être pas que les gars ne leur ont pas donné les droits. Je pense que c'est une histoire de droit aussi. Est-ce qu'on n'a pas le même souci qu'avec de la soul, avec une histoire de droit et tout ça. Donc, il faut attendre la mort de Kanye ou d'André 3000 pour ça. Non, quand même pas, j'espère pas. On n'espère pas. Alors ouais, Nimlo, rappeur de Harlem, ouais. Qui a pas mal de projets. On est dans une ambiance, on va dire griseldesque, un peu. Ça fait deux fois que Rome Street sort quand même. En ce moment, Rome Street est très présent. J'ai Tiger, vu qu'il en Tiger fuit. From the Hood a trouvé le filon pour avoir des points. J'ai il met des. Alors, le son est très bon. Hein, est très bon. Pareil, on est toujours dans ce concept de rappeur-producteur. Mm-hmm. Nimlo qui rappe et Static Selecta qui est derrière les machines. C'est le truc qui marche très bien actuellement. Et effectivement, c'est un très bon son. Et c'est un projet, je ne sais plus combien d'albums, je le dois avoir peut-être pareil, 8 ou 9 sons sur ce projet-là. Et je vous le recommande. Il le recommande. La suite.
Alors. Le patron. Le patron. Je voulais faire un petit clin d'œil sur, sur le film, justement, Le Roi des Ombres. Oui. Qui marche, qui cartonne sur Netflix. C'est. Film sympa, voilà. Mm-hmm. C'est pas un chef-d'œuvre, mais. Ça va. Ça, est-ce, c'est, ça est-ce qu'il aura un César? C'est le prime de Caris, quoi. Ça se regarde. C'est peut-être le prime de Caris, justement. Le prime de Caris. Non, ça n'aura pas de César. Ça n'aura pas de César. Je ne sais pas, peut-être. Hein, je... Non, celui-là, je serais très étonné qu'il ait un César. Il ne faut pas qu'il soit sélectionné, déjà, ce serait déjà une dinguerie. Peut-être, peut-être, peut-être à Cannes, peut-être à Cannes, un certain regard. Non, peut-être l'acteur qui incarne l'aveugle, enfin qui est le frère de dans le film de franchement Paris, est aveugle. Si c'était un peu mieux joué, peut-être et encore. Ouais. Mais bon, après, est-ce que justement en France on sélectionne des films Netflix? Parce que aux États-Unis, aux Oscars, tu as des films comme ça de plateforme. Mais je pense que ce sera arrive, mais ce sera inexorable. Ouais, ça va arriver forcément. On peut parler si les ils le font. On peut parler cinéma et je pense que c'est le moment, Dom, tu me tends la bien sûr. Mais comme il faut, pour vous dire que le ciné de Daron est toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast et que nous vous préparons quelques petits épisodes avec mon ami Thomas. Très bien. Thomas, que vous pouvez retrouver sur l'adresse thomascollignon.com. Vous pouvez trouver ses plus belles créations, ses photos, son nouveau calendrier qui est indispensable et que j'ai pas ici. Je m'en veux. Je l'ai en bas, dommage. J'aurais dû le ramener parce que je l'ai mis à l'entrée pour que tout le monde le voit parce qu'il est merveilleux. Et même si on est en avril, il y a de très belles photos, ça vaut le coup de le prendre encore. Exactement. Ça vaut vraiment le coup. C'est un objet beau. C'est plus qu'un calendrier, en fait. C'est plus qu'un calendrier. C'est de l'art à la maison. C'est de l'art à la maison. Et au-delà de l'art, justement, avec Thomas, on s'est promis de faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé aux Oscars, parce qu'aux Oscars, il y a plein de films que vous n'avez pas vus et qu'il faut voir. Et surtout, ce petit débat qui revient souvent concernant les films qui sortent sur les plateformes, qui sont régulièrement primés. Ouais. Est-ce que ça va arriver en France? C'est ça, je ne suis pas certain que pour l'instant, en France, ils le fassent. On a encore l'exception culturelle française, pour combien de temps? Je ne sais pas. Alors, ça dépendra de si vous êtes abonné à Canal. Juste une chose quand même, sur ce son-là, de Le Roi des Ombres, il n'y a pas un gros mot. Quoi? Caris qui fait un son sans gros mot? Un son sans gros mot. Ça veut aller au César. Donc, ça veut aller au César. Ça peut. Comme BO, comme meilleure musique de film, mais il n'y a pas de gros mots. J'ai réécouté plusieurs fois, il n'y a pas de gros mots. Et franchement, il s'écoute bien ce son au final. C'est un bon petit son. C'est pas le meilleur de Caris, mais ça s'écoute aussi. C'est comme le film. Voilà. Ça s'écoute. Voilà. C'est le film, c'est comme les autres trucs. C'est, t'en attends rien, tu mets play et puis t'es bien surpris. Quoi, ça. Voilà. Bon, toujours, hein, PNP dans sur toutes les sur 4.0, toujours, allez écouter l'ami Power. Mettre un peu de force. Notre ami Power D, notre ami Noisepi. Ils sont là depuis très longtemps, ils ne lâchent pas l'affaire, donc allez donner un peu de force. Puis et y a du bon percutant, et percutant, et percutant, et puissant. Et le come-up. Et le come-up. Hier, on était encore avec... On a vu, on a tout 21 grammes, d'ailleurs. Hier et tout, donc ça a fait plaisir un peu. C'était pas... Non, oui, c'était 21 grammes. C'était 21 grammes, ouais. J'ai dit n'importe quoi. On a vu 21 grammes hier et... Voilà. Et moi, demain, j'irai probablement tuer un agneau pascal avec Monsieur Fif. Voilà. Ah, bah, magnifique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a un projet 4 titres qui est en préparation, a priori, qui est terminé. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc tu t'attends. Alors faut attention, parce que s'ils mettent que c'est le titre, ça c'est qu'ils sont à leur prime. Mais j'attends leur prime. J'attends. Alors là. Tu vas peut-être être exigeant. De toute façon, je suis toujours exigeant. Oui, c'est vrai. Je suis toujours exigeant et je suis toujours intransigeant. Intransigeant. Ouais, il faut le dire. Exigeant et exigeant. Exigeant, intransigeant. Intransigeant. C'est dur à dire. Dom. C'est le moment où tu nous dis ce qui se passera. J'ai réfléchi. Il a réfléchi. Alors,
J'ai pas fait. Alors, on va. Alors, je vais prendre le projet. C'est. On va parler en premier lieu du Mont Westmore. Encore. Non, on n'a jamais parlé du projet au final en globalité. Mm-hmm. Et bah là, c'est des old-timers en plus. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment un back in the old school parce que j'aurais pas pu faire un back in the old school en parlant des quatre en même temps. Je crois qu'on en a pour 5 heures de live. C'est pas possible. Ouais. Donc, je pars sur ce projet-là pour voir est-ce que... Un spécial Westmore. Donc, on va faire ça. On va parler de ça en premier. Et j'ai envie de parler, en fait, de Roca pour le back in the old school, pour le coup, parce qu'il a sorti un projet. Moi, j'ai mon petit rituel un mardi sur deux. J'écoute featuring avec Driver. Je vous le recommande parce que vraiment, il y a des belles anecdotes. Il y a pas mal de choses. Il invite c'est pas forcément un artiste, mais quelqu'un qui a œuvré dans le hip-hop. D'accord. Et mardi, ça fait déjà 2 semaines déjà, je crois. Ouais. Je sais plus. Il y avait Roca. Et il y avait Free en première partie. The Free. Justement, c'est quand qu'il a fait son. C'était jeudi. Jeudi, avec effectivement The Free en première partie. Tout The à fait. Free en première il partie. C'était La Place, je crois que ça s'appelle. Exactement. Il a sorti un album. J'ai entendu qu'il a sorti un album. Donc, ça serait bien de pouvoir parler de Roca et puis un peu parler un peu de rap français à l'ancienne. De Michel Roca. Tu veux qu'on parle de Michel Roca? Non, pas Michel Roca. De Roca. D'accord, ok. Un peu de la clica, de ce que ça a pu apporter. Est-ce que nous-mêmes, on a pu être touchés? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas écouté énormément de rap français. J'étais vraiment à fond dans mon rap quinri. Mais la clica, sur certains trucs, il y a quand même des trucs qui nous ont plus ou moins accrochés. Donc, j'aimerais qu'on en discute, qu'on en parle. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoute, on en parlera avec tous les jeunes de l'univers. Et nous représenterons... Nous représentons. Exactement. Voilà. Il représente ENT. Non, il représente, nous représentons, tout à fait. Je ne sais pas, il représente, ouais. Pour ceux qui aiment la conjugaison. Donc voilà, cette émission est folle. On partira là-dessus. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc ouais, mon Westmore, parce que... Et puis, il y a tout un contexte aussi, je vais raconter, parce que notre ami Snoop a voulu un peu nous berner sur certains trucs, et ça n'a pas marché, et du coup... Il est revenu, il a fait rétro-pédalage. Je vous expliquerai un petit peu ce que notre ami Snoop a voulu faire avec du label Defro au départ et qu'il n'a pas réussi parce que les gens, ils ont râlé. Et voilà, quoi. Donc, du coup, on parlera de ce projet-là et on va aller sur Roca et son album là, qui est tout récent et de voir effectivement si c'est encore bon. Est-ce qu'il a son prime? Est-ce que Roca est à son prime? En tout cas, je vois que T-Rex, lui, est à son prime. Il est à son prime, il est posé. Il est posé. Voilà, il est bien. Oui, je suis là. Merci. Religieusement. Surtout, merci d'être venu, même si c'est arrivé un peu en. Il nous a parlé. Normal. Mais je ne vous ai même pas parlé de Snoop. Mais bon, je sens que vous en foutez, donc c'est pas grave, on passe. Ah oui, t'as été au concert de Snoop. On se posait la question justement. Comment c'était? Est-ce que ça a l'air de vous intéresser? Je vais vous raconter. Donne-nous 2-3 minutes, raconte-nous un petit peu. Le Snoop, bon, Snoop en lui-même, c'était pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai acheté le ticket, c'était vraiment pour Snoop. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il devait venir avant le Covid. D'accord. Et en fait, ce concert-là, c'est un rattrapage. Ça a été à la base, ils avaient promis Warren G, je ne sais plus qui avait d'autres. Il y avait Warren D'accord. G. Énormément de gens. Ouais. Ils ont prévu voilà. Énormément de gens. Aussi, voilà. Et au final, on a eu deux gars de D12. Donc, grosso modo, donc, on nous a couillé. D12 sans Eminem. Donc, G12 sans Eminem, sans Proof, sans Bouddha, et sans... En fait, bon, on a eu... Je suis assez étonné, quand même, qu'on n'annonce pas Eminem si on fait venir D12. Le truc, c'est que Eminem, depuis la mort de Proof, pour lui, il l'a dit clairement, D12, c'est terminé. Oui, c'est ce que je pensais. Proof, il avait dit,
C'est ce qu'il avait dit. Donc, moi, personnellement, quand j'avais vu D12, je savais déjà que c'était D12 qui gagnait. Ça ne s'attendait pas à Eminem. C'est clair, de toute façon. Mais arrivé. Dinguerie qu'Eminem soit là. À deux. Non, bah, sinon, il aurait carrément fait. Attends, si ce n'est pas la Dirty Dozen. Parce qu'attends, si c'est D12, D12, c'est la Dirty Dozen. Donc là, c'est la Dirty. C'est la Dirty 2. C'est la D2. Il se parle en deux. Et comme, je disais, c'est les deux, je ne les connais pas. Ouais, tu les vraiment les deux, les deux moins importants du groupe. Ils auraient pu prendre des gars dans la street qui parlent anglais, j'y aurais vu que du feu. Dirty Dozen, à la base, c'est parce qu'ils sont six et que chacun, il y avait le gars et son alter ego, comme Eminem et Slim Shady. Ouais, c'est ça, en fait. Le Dirty Dozen, ça vient de là. Donc là, ça aurait été Dirty Four. Donc ça aurait été Dirty Four, puisqu'ils étaient deux, puisqu'ils multiplient. Ouais. On a appris tellement de choses, et on en apprendra probablement beaucoup plus la semaine prochaine, Dom. Dans deux semaines. Ben oui, parce que l'attente sera interminable. Mais moi aussi, les semaines, je travaille comme le D12. Je ne vais pas faire ça toutes les semaines. C'est ça. Tu crois une semaine, mais c'est deux. C'est comme le D12, c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, donc on va vous dire dans deux semaines. Ah, dans deux semaines. Ouais. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et puis voilà. Et puis. Et puis générique. Et générique. Et puis générique. À bientôt. À bientôt. Hey, allez Paris. You know what time it is.